What's up tout le monde? Bienvenue entre USA et Japon, la fission. Non. Non, pas la fission, s'il vous plaît. Pitié. Oh là là, quel plaisir. Oh, elle est belle la caméra là. Bonsoir! Bonsoir tout le monde! Bonsoir Amorosa, bonsoir Pandwich. Bon, même si Pandwich, on s'est quitté il y a à peine 5 minutes. Ma pause de 3 minutes, elle est trop bien. Hein. Elle est trop trop bien. Je suis trop heureux là, j'ai eu le temps de manger là, les boissons qu'ils ont, les cadres sup là, de suppléments de nutriments et je suis trop heureux. Et ouais. J'ai aussi une nouvelle caméra, comme vous pouvez le voir. J'imagine, je sais pas. Moi je vois jouer la différence en tout cas. On remerciera notre sponsor Pandwich pour ça. Let's go. Ah ouais, hein, ça change tout. On voit aussi la différence. Bien. Bah, vous voyez aussi la différence parce que j'ai changé le petit rond à la con qu'il y a autour. C'est plus exactement le même. Ouais. Je suis plus net. Vous pouvez voir aussi, je pense, le nombre de poils de ma moustache maintenant. Ouais. Je ferai don des poils de ma moustache quand je serai enfin affilié. J'en fais le serment solennel. Pour chaque sub, j'offre un poil de moustache. On peut compter aussi les carreaux de mon pull Décathlon là. Si vous voulez que je vous dise, c'est la saison froide. C'est la saison froide. Faut bien se chauffer. 1000 euros de côté, non. Il m'a volé ma moustache. On fait un échange de moustache, tension, hein. Parce que sinon t'auras trop de moustache ensuite là. Tu vas te nicher la moustache là, c'est pas possible. Putain. Alors ça dit quoi les gens là? On a fait un bon week-end. Moi je vais être parfaitement honnête avec vous là, j'avais des. Cette fois. Ou pas. Ah ouais, non, mais de fou, hein, de fou. La vérité, pour être parfaitement honnête avec vous, c'est que j'ai pas trop eu l'occasion de faire tout ce que je voulais comme recherche. Donc, aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y aura pas de petits points. Père Castor, raconte-nous l'histoire de l'art. Je sais, excuse-moi. J'étais occupé à me battre pour ma vie samedi, voilà. Samedi, qui était le jour où j'étais censé faire mes recherches. Donc, bon, voilà. Bah, moi aussi, je me demande pourquoi Pandwich, en vérité. C'est pas banal, hein. C'est pas banal. Je sais pas, il faudrait demander à des journaux People et tout qui suivent ma vie de près. Qui suivent mon existence, chaque pas de mon existence pour savoir ce qui se passe dans ma life. Alors ensuite, hop, est-ce que j'ai peut-être un petit truc à vous montrer ou pas, ou non, hop, la carte de Kirso, non, ça c'est bon. Je suis en train de faire les fonds de tiroir là. Hop là. Non, on a fait une grande partie. Mais ensuite, le... Non, pas de souci. Mais le récap, faut pas déconner. J'ai pas non plus... je me suis pas vraiment, touché les fesses à 100%. J'ai quand même un petit récap. J'attends juste qu'il y ait éventuellement 2-3 personnes en plus. Histoire de voilà, quoi. Histoire de commencer avec 2-3 personnes en plus et puis catching ensuite quoi. Hop là. Oh lol. Dave the Diver fait un crossover avec Dredge. Oh non merde, le fond, non, j'avais dit que c'était une... J'avais dit que c'était une seule fois. Bon, bah, c'est pas grave. Vous aurez droit à ça et vous aurez droit à une deuxième fois. Merde. Oh, j'ai trahi ma parole. Dave et Dredge, c'est une singerie. Hein.
C'est vraiment collab Pandwich d'Afez là. Faudra que je fasse d'ailleurs The Dredge. Beaucoup de jeux aquatiques là cette année. Les Game Awards. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, pour être parfaitement honnête, j'ai vu un peu les sorties. Non, mais attends une seconde. On va essayer de faire un truc. Hop là, c'est pas ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire. Hop là, attends une seconde. Le temps que j'ouvre une page web, Pindouille, dis-moi, est-ce que tu sais s'il y a un moyen de figer genre une scène? Sinon, je peux juste le regarder par moi-même en fait. Enfin, je suis bête en fait. Je suis un teubé en fait. Figer une scène OBS. Non mais c'est juste que en fait je voulais genre ouvrir la je voulais ouvrir mon navigateur et genre le temps que je cherche rester sur la scène facecam quoi, histoire que je sois pas en train de galérer mes grands morts. Ensuite je sais pas si c'est possible hein. Non mais c'est pas. Tu vois ce que je veux dire, hein? Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est pas grave, en vrai. Hop là. Je fais comme ça, là. Mode studio, écoute, c'est trop tard. C'est trop tard, mon ami. Mon ami en... J'ai pas de rime en i pour l'instant. Capture navigateur, est-ce que ça marche? Non. Voilà, là ça marche. Tac. Alors. Game Awards. Announcements. Hop là. Voilà. Hop là. Plus d'options. Allez vous faire voir. Vous allez à gauche ou dans les scènes à droite? En mode piraterie? Tu m'en diras tant. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Alors, Sea Hall. Eh ben voilà, c'est nickel. On va voir ça rapidement. Alors. En vrai, moi, je vais être parfaitement honnête, je suis passé un tout petit peu à côté, parce que j'avais la flemme, en vérité. Ce qui est pas bien, parce qu'en général, je regarde quand même un tout petit peu. Mais il n'y avait rien, on va dire, de vraiment insane qui devait être annoncé. Enfin, que je suivais en tout cas. Donc, j'ai juste un peu nexté. Du coup, c'est bien parce que ça me permet de découvrir un peu. C'est un peu écrémé, tu vois, je suis pas obligé de tout me taper. Déjà. Putain. C'est la deuxième fois! As Dusk Falls. Ah, il y a un deuxième. Ouais, bah déjà, OD, hein. OD qui, alors, non seulement est développé donc par Kojima Productions, mais en plus est en partenariat avec Jordan Peele, quand même. Le mec qui a fait Get Out et tout, là... C'est en vrai petit banger, hein. Petit banger, hein. En plus, bon, bah, les images sont quand même très 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 jolies. Ensuite, on va le PC, il va prendre feu clairement en jouant dessus. Ah ouais. Mais ouais, c'est stylé. C'est stylé. Alors, c'est bon. Il y a plus que ça. C'est une musique de Gaulmont, là. Voilà, hop là. Il y a plus que ça encore? Sérieux? Il y a des lettres cachées dans le Unreal. Là, tu veux dire? Oh bah... Moi, je vois pas grand-chose, hein.
Encore lancé une lance. Ah ouais, d'accord, ça va parler de Silent Hill. Ouais. C'est un peu une zinzinerie. Alors, j'ai vu Crazy Taxi. Crazy Taxi aussi. Ça a l'air un peu. Ça a l'air un peu teubé, mais ça a l'air drôle. Je sais pas si j'y jouerai, mais c'est juste que ça date. Alors, Blade. Ah, Blade, je vais pas vous mentir, c'est je connais pas, moi je suis vraiment pas en plus, je suis pas branché genre super-héros et tout. Mais vu que c'est Arcane Lyon, en vrai. Arcane Lyon qui. Bon. À part. Comment ça s'appelle les trucs avec les vampires là, Redfall. Bon. Bah voilà, c'est ça, c'est ça. Moi je m'en bats les couilles de. Je m'en bats les couilles de Blade, mais genre c'est Arcane Lyon, et puis la vidéo était un peu sympa. J'ai laissé de la musique par contre, je suis désolé. Hein. Voilà. Blablabla, tout ça, Marvel, on s'en fout, Arcane Lyon. Hop là. Viens voir ce que ça donne. Ok. Bah attends, ils vont faire péter Paris là. Ils vont faire exploser Paris. Ok. Barbier, il s'est pas barbé là, il s'est. Relax, man. I don't bite. Ok. D'accord, ouais, d'accord. Ok, cool. Bah non, c'est un vampire. Lock up tight now. Donc, en fait, si, il bite de fou en fait. Night's just getting started. D'accord. Donc en fait c'est quoi genre le bail c'est leur Morbius à eux? Pourquoi ils ont pimé ils ont pas mis gazo du coup? Vrai, vrai, réel, réel, réel. Jet Set Radio, ok nice. The Finals, c'est bon c'est sorti, on y a joué tout à l'heure. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est très nerveux, c'est très dynamique, il y a beaucoup de destruction. Bravo, bravo à eux, j'ai envie de dire. Hein. Bravo à eux. De toute façon, Pindwitch, c'est la chaîne officielle de The Finals. Hein. Il était là depuis le début. Streets of Rage. Dac. Est-ce qu'il y a des trucs là-dessus? Non. Putain, il n'y a pas. C'est pauvre. Hein. C'est pauvre. Golden Axe, d'accord. Ok. Shinobi. D'accord. Bah écoutez, hein. Surtout mettez plus d'images. Hein. Surtout. Attends, est-ce qu'il y a pas mieux que ça? Parce que en vrai le IGN il est décevant de fou hein. Polygon peut-être. Ah oui, Panda Circus. Ça a l'air d'être un clusterfuck, ça a l'air d'être une zinzinerie sans nom. D'accord, c'est encore mieux si ça marche. Hein. Ah voilà. Brothers, A Tale of Two Sons. Ça me dit quelque chose. Ouais, c'était ça, d'accord. Du coup, genre, ils ont amélioré les graphiques et tout. Ouais, par contre, Inscription, le truc... Enfin, Panda Circus 2, apparemment, parce qu'il en a fait un premier. Déjà... Ah, ben... Ouais, de fou, c'est un peu fucked up, Inscription. Ça... Genre ça, entre la 3D... Bon, je suis désolé, mon navigateur, il est aux fraises. Mais entre le truc de 3D, là, le début en 3D, ensuite le style borne d'arcade et tout, là, oi oi oi. Ok. Voilà, là, ça commence comme ça, donc je me dis, voilà, tu vas explorer des trucs, t'as eu une clé USB de l'époque néolithique, pourquoi pas, t'as du chant guttural mongol, bien entendu. Voilà, ensuite t'es en mode ok, bonjour, je suis dans un temple Shinto, d'accord, pourquoi pas. La classique borne d'arcade Shinto. Et là, boum! Ça devient Kingdom Two Crowns, le truc, là c'est Undertale, c'est... Enfin, c'est un peu une singerie, quoi. Avec quoi, ouais, les... Voilà, et puis les parties en... Oui, c'est ça, c'est un ARG, genre, c'est...
C'est un jeu en réalité augmentée là. Bref. The Rise of the Golden Idol. Je sais pas trop ce que c'est. Fallout Detective. The Case. Ouais, ouais. Mais en plus, regarde, c'était même. Il est même pas si long que ça. C'est 1 heure. C'est 1 minute 30. Mais genre, c'est 1 minute 30, genre, de retournement de cerveau. Où t'es en mode, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ok. D'accord. Ouais, un jeu d'enquête. Ouais, ça a l'air gaulerie en vrai, ouais. Mais où? Mais où se cache Carmen Sandiego? D'accord. Usual June. The Finch Development Team, blablabla. Third Person Combat et Adventure Game, d'accord. Ok, bon, mais c'est un espèce de action RPG un peu sympa, non? J'imagine. D'accord. Finji. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, ouais, genre le style un peu en mode Life is Strange, un peu Telltale-esque. Ouais, d'accord, ok. T'as une pote qui est une fantôme. Ok. Ok, ouais. D'accord. Ensuite, je vais pas vous mentir, le combat à la troisième personne, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc, il faudra vraiment que le jeu soit excellent. D'accord, on s'en bat les couilles. D'accord. C'est quoi ça? Nanana, Harmonium the Musical, une fille sourde. D'accord. Une fille qui fait de la musique. Ok. D'accord. Un peu de gameplay sinon? D'accord. Bon, c'est... Ouais, pour les sourds, c'est vrai. Bah oui. Bah oui, oui, c'est très Disney-esque. Je présentais avant trophée pour accessibilité. Ah, ouais, je vois. Non, stylé ensuite, hein. Stylé. Une fois de plus, c'est pas énormément mon type de jeu, mais en vrai, genre, le travail sur l'accessibilité et tout, j'en sais. Il était DSS qui nous fait. Ok. Dead Cells Dev Reveal the Next Game Windblown. J'ai toujours pas fait Dead Cells, donc dommage pour moi. C'est DSS qui... Vrai. Ouais, déjà, il y a des furies, donc forcément, c'était DSV, hein. D'accord. Ok. Oula. Ok. Oh putain. Oh là là. Oh ouais. Oh le truc de teubé là. Oh le truc de teubé à la troisième personne sous cocaïne. Oh là là. Oh par pitié. Non, Frédéric, c'était mon meilleur ami. Ok. D'accord. Ah, c'est vraiment le truc de reptile, hein. C'est... D'accord, ok. En vrai, juste le... Je vais jamais jouer à ce truc. Mais juste le style de l'animation, c'est... Enfin, le style Fury, c'est pas trop mon truc, mais genre, la qualité de l'anime est quand même plutôt sympa. Thumper Dev, ok. D'accord. C'est un jeu de rythme, ok. D'accord. Ouais. Bah écoute, force à eux, mais c'est pas mon truc. Dave the Diver Dredge. Alors oui, alors c'est quoi ça? C'est un DLC, de Dave the Diver en mode Dredge? Mais si, si. Qu'est-ce que c'est que ces singeries encore là? Je comprends pas le... Ah oui, c'est vraiment genre tu... Ok, tu nages et tout genre... Ouais, ouais, d'accord. D'accord, ouais. Ah oui, d'accord, t'as les Eldritch Horror qui viennent te manger des sushis chez toi. Ouais, de fou. Ah oui, le bateau de The Dredge et tout. Ok. Ah ouais.
World of Goo 2, alors ça me dit quelque chose, mais bon. Making. C'est bien, madame. Beautiful. Ok. C'est genre toujours tu balances des. Voilà, tu balances du popo et tu fais des comment ça s'appelle des ponts de popo. Force à eux. Bah oui, mais il y a des gens qui aiment ça, I guess. Refantasio trailer Shaun. Bon, écoutez, les Furies, ça va 5 minutes, hein, c'est très très bien et tout. Matthew McConaughey, sérieusement? Exodus? Ah oui, d'accord, mais il a juste touché un billet pour présenter le truc, en fait, c'est ça? Ex-Bazaar. Attends, il est vraiment là. Deviens le voyageur. Max, we need to head back. D'accord, ok. Ok, pourquoi pas. Ah, c'est le perso principal. Non ! Katoche, non ! Elle est tombée ! What she found that day was a miracle. D'accord. It would be our salvation. Ah ouais, elle a trouvé une Porsche 500. Against the Celestials. Humanity's greatest enemy. Bah, en vrai, c'est giga joli, hein. Bon, pas, on va pas se mentir. Le style, la direction artistique est peut-être banale, oserais-je dire. Pas dans le mauais sens du terme, mais genre ça casse pas trop patin un canard. Genre, ça fait penser à plein de trucs, genre un peu Returnal, des trucs comme ça. Mais ensuite, pourquoi pas, hein. They keep chasing us until they ripped our ship apart. Non. Casse le vaisseau? Sans constat à l'amiable? Away from her. Au revoir, Catherine. Non, Frédéric. D'accord. When you travel at D'accord, bon ça c'est surtout une cinématique et donc il n'y a pas de gameplay hein, pour l'instant. C'est joli, hein, c'est joli, c'est genre objectivement joli, mais... D'accord. Oh, bébou. On s'en fout. D'accord. Ah bah voilà. D'accord, bah en action RPG en troisième personne. Ok, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, bravo à eux. God of War, Ragnarok, bah écoutez, force à eux, je ne vais pas regarder ça. Untitled Goose Game Team, Big Walk. Là ça commence à... Le son amuse. Allez, ciao la VOD, y a pas de souci. Mais non, mais vu que je ne ferme jamais ma gueule, je pense que le truc il va pas reconnaître. Genre le bot qui est en mode chut ta gueule, attends que j'écoute si c'est copyrighté ou pas. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est de la coop en plus, pour toi et tes amis. Ah mais nickel. Ah ouais, je suis chaud, hein. Je veux voir ce que c'est. Big mood hein, pour l'instant, big mood hein. Oh, there they are. Ah. C'est littéralement moi ce bug hein, qui me va comme ça là. C'est incroyable. Quand tu diriges des petits bugs à distance, t'es en mode plus à droite, plus à gauche. What? Mais c'est giga beau. C'est très beau là, pourquoi on est en train de se balader dans le Mackie Corse déguisé en Roly Poly Oli là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être un incommensurable banger ce truc. Ils ont vu une Unreal, ils ont fait flemme. Attends, genre t'as une espèce de base à construire avec tes amis et genre t'es des espèces de petits cercles goofy là. Ça a l'air trop drôle. Big Walk, by House. Bravo à eux. J'ai vu d'ailleurs qu'ils ont publié un message pro-Palestine sur leur Twitter alors qu'apparemment ils avaient été suspendus. Force à eux. Déjà je comprends pas, mon cerveau il se situe pas. Mais ça j'aime bien, tu vois, genre moi j'ai des trucs qui font mal au cerveau comme ça, genre ça a l'air drôle. Ok, Prince of Persia. Regardez ça vite fait quand même. I'm here to save a prince. D'accord. Va sauver le prince. D'accord. Cobra le cobra. D'accord. Ah ouais, c'est de la plateforme quand même, hein. Farum, you're right.
Quand même, pas de part. Oui, bien, bien, c'est bien, c'est bien. On sait, il y a du drama, tout ça. Varum is driving a wedge between us. Sargon, the betrayer. Ouais, la DA, c'est un choix. C'est un choix. Ça, je vais pas le fact-checker en mode art de l'islam. Hein. Attention, hein. C'est trop. Hein. C'est trop pour moi. C'est trop. Ninja Theory, blablabla, Hellblade, Hellblade Saga. Bon, allez, hop là. C'est vraiment par politesse qu'on va regarder ça. C'est vraiment par politesse, hein. Parce que ça a l'air d'être un truc dont je me bats un tout petit peu la race. Senua, je connaissais pas, mais moi non plus. En vrai, pourquoi pas. C'est in-game, ça. Ouais, non, pourquoi. C'est une petite vibe Remnant. Une petite vibe Remnant from the Ashes. Tout sympa. Ninja Theory presents Oblative. Inked and blood. D'accord. Attends. Val d'anxiété. Il y a un, ils ont bossé avec des Nord chirurgiens ou je sais pas quoi. Ouais, des Nord. D'accord. En vrai, ouais, il y a de quoi être un peu anxieux, hein. Il y a de quoi être un peu anxieux, hein. Je la comprends, hein. Je la comprends, la Russ. En vérité. Le live du groupe qui est venu faire le son. Ouais, non, c'est plutôt sympa par contre. Ouais, je. Ouais, bravo à eux. Ouais, ça a l'air un peu vénère, ça. C'est bien un petit jeu à faire pour avant de s'endormir. Ouais, non mais il y a de la DA en vrai, hein. Ah ouais, là elle est en mode Snake dans Snake Eater, là. Bah écoute, bravo, hein. Unseen Revealed Action Game Kemuri. Ok. Ah, Tango Gameworks. Ah oui, c'est Eki Nakamura. Attendez. Tango Gameworks, c'est les mecs qui ont fait Evil Within. Ou c'est moi qui dis de la D. Un peu stylé en vrai. Regarde vite fait. Petite zik en vrai, hein. Rigolo, mais. Ça a l'air un peu goofy, goofesque, mais. D'accord, ouais. D'accord, c'est Overwatch, les Avengers, Cortex, les pyramides. Très bien, très bien. Juste regarder. Ouais, c'est à eux qui ont fait The Evil Within. Correct. Bravo, Anton. Un autre win pour Anton. Bravo à moi. Ori Team. Ah, ok. Moon Studios revealed No Rest for the Wicked. Ça me dit quelque chose. Oh non, Jeff, ta gueule. Hein. Private Division, ok, d'accord, ouais. Pas un mauvais éditeur, hein. Un peu des salauds, mais pas un mauvais éditeur. D'accord. Oui, c'est bien. D'accord, ça parle de pirates. Yar. D'accord, les cinématiques sont un peu en 2D et tout. Je parle un peu par-dessus pour éviter de me faire strike, j'ai un peu peur, hein, ma cam. Ah ouais, j'aime trop. Oh, ils sont beaux, les bougs. Et les bougesses. Les vieux boules. Là, le Simeon grosse barbe, là, il est joli. Ok. Ok, ouais. Très bien, très bien. D'accord. Ah ouais, j'avais peur que ce soit que du... Ouais. J'avais peur que ce soit que, genre, les cinématiques qui soient, genre, en fausse 3D. Mais non, c'est vraiment tout le... C'est très beau, c'est très très beau. C'est... Ouais. En réalité, je sais pas si c'est le genre de truc auquel je jouerais, mais genre j'ai trop envie de voir peut-être du gameplay ou un truc comme ça. Ensuite, c'est du hack and slash, hein. Moi, le hack and slash, voilà. Mais c'est très très beau, et pour le coup, là, ouais, il y a une DA qui est quand même un peu sympa, quand même. Sega announces the return of Jet Set Radio, Shinobi, Gordon Axe, Out of Rage, Crazy Taxi, bon, tout ça, on va pas le regarder. Dragon Ball Sparking Zero Announced pour tous mes Algériens sûrs. Non, attendez, il est tunisien, pardon. Goku, il est tunisien. C'est Vegeta qui est algérien. Dead by Daylight spin-off, The Casting of Frank Stone.
Attends, c'est un spin-off dans le sens genre où est-ce que le gameplay sera moins chiant que dans Dead by Daylight ou... Si c'est un jeu solo ou genre de la coop locale, enfin local, vous voyez ce que je veux dire, genre pas du multi. Moi je suis chaud hein, parce qu'en vrai ils ont un peu du lore et tout, mais juste ils le développent pas quoi. Ah, y a pas de... Provenant du monde... Ah, du monde de Day by Daylight, donc je pense que c'est genre un solo ou genre de la coop, voilà. La musique continue en attendant, oui c'est bien, merci des sous-titres. Blablabla, bla, bla, son du projecteur. D'accord, oui, bon, en gros, c'est genre une partie, une manche de Dead by Daylight, mais qui c'est tout le jeu, quoi. Déjà une bande-annonce pour un truc genre Story of Ashes. Ouais. Parce qu'en vrai, moi, un truc en coop, je trouverais ça sympa, quoi. Où il développe un peu, genre le côté de la zone, là, à qui le serial killer, il doit donner des âmes en pâture et tout. Pourquoi pas Visions of Mana. Ouais, pas trop ce que c'est. Oh, c'est Mims. C'est Mims. Square Enix. Ah. Ah ouais. Ah ouais, mais ça c'est truc un peu dans le délire Genshin, non? Non, je dis de la merde. Je dis de la merde, malheureusement. Ah ouais, c'est... Ah, c'est Weebesque, hein, par contre. Hein. Oh, c'est très Weebesque, hein. Oui, bon, c'est des Pokémon que tu tabasses à la main. Allez, hop là. Ouais, c'est Genshin, quand même, un peu. Rise of the Ronin. Attendez, c'est une suite de... Comment ça s'appelait, là, le jeu PS4 avec le vent, là, et tout. TDSV sur 20. Oh, de fou. Ghost of Tsushima, ou ça fait un peu Ghost of Tsushima, là, de loin. Historical Action Game. Ouais, mais ça va être uniquement de la PS4. A fleeting moment can feel like a lifetime for those caught in its deadly rhythm. Ouais, d'accord. And a lifetime. Oh non, ils vont le tuer. For anyone embracing its bitter end. Ensuite, ça a l'air moins joli quand même. Hein. No offense, mais hein. D'accord. Without hesitation. Ouais, ça a l'air un peu plus cheap, ça. Ça a l'air d'être The Ghost of Tsushima, mais avec le gameplay de Assassin's Creed. En vrai, ça peut être à la fois genre banger comme genre passable de fou. Donc, très très bien. À voir les retours. Bon, là, on va juste voir des gens prier avec des têtes. Vas-y. Vas-y, dis-nous. Ouais, très bien. Non, mais en vrai, les acteurs et tout, enfin, je sais pas, ensuite, force à Kojima, hein. J'en parlais l'autre jour avec Lunette, genre de Kojima et tout. Ce que je disais, c'est que Death Stranding 2.5, ouais. Ce que je disais, c'est qu'en vrai... Tu sais, genre, il a passé tellement de temps dans les cuisines, tu sais, à faire un peu le boulot de merde de dev et tout, genre, que, jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui, à avoir sa fame et tout. Et maintenant, il fait ce qu'il veut, force aux frérots, comme on dit, hein. Force aux frérots, hein. Pardon. Genre, franchement, qui profite de tout ce qu'il peut faire, hein. Ça me faisait marrer. Je sais pas si vous avez vu l'image là, attendez. Je sais pas, attends. Jurassic Park JDG. Merde, oh putain. J'aurais pas l'image là. Wow. D'accord. Voilà. Ça, c'est juste ça, ce mec qui m'avait trop fait marrer. Welcome to Sun Stage avec Jeff Keighley qui est dans sa plus grande bromance avec Kojima. C'est... Voilà, c'est tout. C'est tout, c'était...
Jurassic Park, JDG et 3 IP. Mais ça m'étonne pas, hein, ensuite, JDG ne pas être hypé par tout ce qui est plus ou moins... Genre, jeu de gestion, Jurassic Park, normal. Quoi. Survival. Ensuite, tu dois genre plutôt survivre dans le truc ou genre c'est de la gestion? Ah, c'est pas... Ah ouais, d'accord. Ah, c'est du survival. Ah, sympa en vrai. FPS survival, ça c'est stylé par contre. Ça c'est stylé parce que en vrai j'en retrouvais le feeling. Moi je me souviens quand j'avais genre 12 ans et que je regardais les raptors et tout là. Ok ok. Bon par contre elle passe 80% du trailer par terre la pauvre. Oui d'accord, c'est lui, c'est le T-Rex. Ok ok d'accord. Ok ok. Wukong, oh encore un jeu sur le roi singe, stylé en vrai. God of War, Sense of Scale, Chinese Fantasy, Journey to the West, d'accord, ok. Hein. D'accord. Ok. Ouais, stylé un peu. En vrai, chaud pour... quand t'avais 12 ans de regarder le Raptor. Non! Non, non, c'est faux, c'est pas ça. Vous êtes des fausses nouvelles. Moi, quand j'avais 12 ans, j'étais biberonné à Usul, moi. Crois quoi. Inspiré de la pérégrination vers l'ouest. En vrai, juste, ne serait-ce que pour la représentation du folklore et de la littérature japonaise en jeu vidéo, je suis giga chaud. Je suis vraiment giga chaud. C'est trop bien ce qu'ils font... c'est les mondes qu'ils ont et tout, c'est tellement bien. Donc ne serait-ce que pour ça, en vrai, je suis chaud. Suicide Squad, je me permets de m'en battre les couilles, hein, ça commence à bien faire. Warframe, Whispers in the Wall, d'accord, je m'en fiche un peu. Ouais, écoutez, on va... Lost Record, Blue Man Rage, d'accord. Life in Strange, ça c'est 100% Life is Strange, ouais. La vie est bizarre. D'accord. Les gens ils disent des trucs, ils se tiennent la main, ils se font des bisous, ils se font tuer dans la forêt, ils regardent les yeux. D'accord. Ok, c'est là. Ah oui, oula. D'accord, Stranger Things. Ok. Voilà. Wide Action Game, The First Berserker. Ah ouais, donc là on est. Khazan? Comment ça, Khazan? On est parti en Europe centrale ou. Bah oui, non, mais je suis désolé, c'est la seule chose que tu peux dire. Attends, c'est quoi, on est dans le nord ou. Ouais, c'est genre en mode folklore nordique un peu. Oh, je m'attendais pas à du cel shading comme ça par contre. Oula, je suis pas sûr par contre. D'accord. Tu es l'un de nous. Rejoins-nous. Blablabla, 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 blablabla. Ok, 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 d'accord. Final Fantasy VII, Force à eux. Apex Legends, Force à eux. Honkai, Force à eux. Skull and Bones. Ça fait quoi, ça fait 12 ans, 10 ans, 13 ans, 15 ans qu'ils sont censés l'annoncer. Arcane Lyon qui a fait un jeu sur Blade, ça c'est stylé. First Descendant, ça je veux bien regarder par contre. Comment ça? Ça fait 12 ans, mais apparemment pour la 4 avec 4 bateaux. Je vais pas te mentir, j'ai peur que ce soit un peu un désastre à la Redfall. En vrai, je suis chaud, hein. Si c'est bien, je suis chaud, mais je pense qu'il va falloir facilement attendre un an ou deux avant de, avant de pouvoir y jouer et que ce soit bien. Mais oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. 100% The Guest. De toute façon, ici, la merguez équipe, voilà quoi. Hein. On sait dans quoi on est spécialisé. Alors, The First Descendant, ça dit quoi? D'accord. Bonjour. Ouais. Là, Death Stranding sur 20, quand même. Une technologie inconnue dans le paysage islandais. Bonsoir, patate en mousse. Bonsoir, comment vas-tu? Alors, ayant eu un week-end un peu laborieux, j'ai pas trop eu le temps de faire de recherche. Donc, on est juste en train de regarder le trailer. Voilà, exactement, des Game Awards.
que ça me permet de regarder ça rapidement sur ce qui va sortir et tout. C'est... Ouais, ouais. C'est Death Stranding, mais avec des guns. Là, cette fois-ci, on a droit aux guns. Bon, mais... relativement mimes, hein. Relativement mimes, pourquoi pas. Quand il y a des, quand il y a des trucs, quand il y a des plans de plusieurs personnages qui courent comme ça, j'ai toujours peur que ce soit de la... Enfin, j'ai toujours envie que ce soit de la coop. Oyoverse, blablabla, oui, bon. Weeb mentionné. Ah, Den of Wolves. Den of Wolves, j'avais vu passer une pub pour ça, c'est bien. Open tent, here we go. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a Philippe et Chebest sur scène. Ah, des créatures de Paydays, etc. D'accord. D'accord. Ok, bon, bah, c'est des gens qui tirent. Oui, bon, d'accord, c'est Mason, donnez-moi les chiffres. Bon. D'accord, très bien. Oui, bon, d'accord. Bon, c'est vraiment Mason, donnez-moi les chiffres. Bon, bah écoutez, ça a l'air un peu edgy, mais pourquoi pas. Ouais, bon, l'annonce de la série Fallout, hein. Il y a des flingues, super. Flingue mentionnée. Ouais. Bon, bah la série Fallout que j'attends avec une certaine appréhension, mais néanmoins... Je serai toujours le plus grand Yankee pour Fallout, donc je suis prêt à me faire... abusé émotionnellement par Theodore Todd Howard. Light No Fire, on en avait parlé. Bah, c'est Valheim, Valheim joli. Valheim joli, où tu peux nager. Voilà. Tu peux monter sur des gros osios. Construire des petits villages de petits nordiques. Ouais, ouais, hein. Tu voles sur des colibris, tu fais des petits osios, des petits bateaux. Les graphismes de Minecraft en 2017, c'est très très gros si c'est vrai. Hein. Ce seront les... Mais apparemment ils veulent mettre Peter Griffin hein, dans Minecraft en vrai. Hein. J'ai entendu dire, hein, j'ai entendu dire. C'est mon oncle qui travaille chez Minecraft qui me l'a dit. Ok. Bon. Truc de Weeb. Ah ouais, c'est Guilty Gear. Final Fantasy XVI, force à eux, The Finals, on connaît, Monster Hunter, bon. Oh putain, c'était horrible ce son. D'accord. C'est Mims. Je suis le chasseur, je chasse les monstres. Ok. Voilà, on se balade parmi les tatous. Franchement, un jeu qui se permet de se balader parmi les tatous est un bon jeu. Hein. Heureusement, on est emporté par une coulée cendreuse volcanique. D'accord. Baldur's Gate 3. Hop là! Et ben voilà. Bah écoutez, hein, monsieur, dame. C'est à peu près tout ce qu'on va voir pour aujourd'hui. Puisque bon. Hop là. Il est où le Pentiment? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hop. Et si vous voulez bien, on va recommencer. Alors, dans Pentiment, je vais faire un résumé à l'intérieur du jeu. T'as tout raté de la review, il était au Bigophone. Non! On peut recommencer. Oui, avec plaisir, avec vraiment avec plaisir, amour aux assas. Je serais extrêmement heureux. J'ai dit que mon oncle y travaillait chez Minecraft. Alors, voilà. Non, mais par contre, je vais faire un résumé de ce qui s'est passé la dernière fois. Donc, la dernière fois, c'était la dernière journée avant qu'on se fasse interroger par l'archidiacre. Donc, on était. On s'était dit qu'on allait se faire casser la gueule, ce qui est probable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qui est probable. Donc, on avait papoté autour du filage de la laine, où on a appris que la première fille de Chansar avait été rendue grosse. Par notre
De plus en plus les parties passent, plus je vais mettre de guillemets à Ami. À notre 1 milliard de guillemets Ami le Baron. Donc voilà. On a papoté ? T'as vraiment voulu qu'on pote, je te promets. La prochaine fois on potera. La prochaine fois on potera, t'inquiète. Nos pots ils seront trop beaux et tout. Ah, ah oui, merde. Hop là, lui il est en colère contre moi, je pense. Je peux ensuite, je peux toujours le gaslight girl boss gatekeep. Hein. Mais bon. Qu'est-ce que je disais ? Donc ouais. Ensuite, j'ai mangé avec Chansard, je lui ai dit « Hey, salut, je sais que ta fille est morte en couche parce qu'elle a essayé d'avorter parce que le baron l'a mise enceinte. » Il était là en mode « J'ai pas envie d'en parler, ferme ta gueule. » J'étais là « Bon, d'accord, très bien. » Donc c'est en gros ce qui s'est passé. Il y a également eu le plot twist du siècle où il s'est trouvé que nous n'aurions pas à baiser la femme de Martin, que la peste soit sur son nom, car Véronica, une excellente femme du village, s'en chargeait déjà, puisqu'on les a surpris tous les deux au bain extrêmement embarrassés, force à elle. On les salue. Et du coup, on va rabattre notre libido sur la femme du meunier, le meunier étant un mec absolument infect, et sa femme étant quelqu'un d'absolument adorable. Voilà. TLDR, c'est ça. Bonjour, Volbert. Bien le bonjour, Andreas. Allez, il nous en veut même pas. Il n'a pas la capacité mentale de nous en vouloir. Donc voilà. Ah oui, et quand on est rentré dans la salle capitulaire, il y a l'abbé qui est arrivé et qui a fait « Je vais te casser la gueule !» J'étais en mode « Ah oui, d'accord. Je sais tout. Ah bon ?» C'est normal, on a raté tous nos speech checks. Je vais totalement fouiller chez lui, par contre. Il y a des trucs ? Des trucs à fouiller ? Ah, rien à fouiller. Bon, bah... Commencez comme ça, hein. Monsieur. Oh, il donne la papate, hein. Il donne la papate. Amorosa, c'est à toi. Plaisir immense. Oui! Oui! Dis-le! Voilà. Amen. Maintenant que la partie a été bénie et placée sous de bons auspices, on peut aller rater tous nos speech checks à la suite. Alors, le bourreau. Ok. Ah, voilà. Très bien. Let's go! On va se faire excommunier! Veuillez décliner votre identité afin qu'elle soit consignée par ordre du roi. Andreas Malheur, compagnon artiste de Nuremberg. Andreas, fils de Joseph Malheur, maître artiste de Nuremberg. Andreas Malheur, fraîchement arrivé de Venise. Andreas Malheur, Andrea, Madre... Riel. Andrea Mousse. Prentice. Non, attendez. Petit run, excommunication en hypersaint. Oui, let's go. Artiste fraîchement arrivé de Venise. Non, je suis fils de Joseph Malheur, maître artiste de Nuremberg. Voilà, je suis provocateur. Je joue la Venise route à la limite, pourquoi pas. Pour bien dire que je suis étranger et qu'on sait pas trop, voilà. Ah, ça va être... À la limite, si je dis que je suis fils de Joseph Malheur, tu vois, genre ça montre que j'ai un daron et tout, quoi. Je viens pas de nulle part, quoi. C'est ce que je veux dire. Allez, fils de Joseph Malheur, on va dire. On va éviter de trop se faire... Et que vient faire un artiste dans l'abbaye de Kirsau? L'abbaye reçoit encore des commandes de mécènes fortunés. J'ai besoin d'argent avant de regagner Nuremberg. Oui, c'est vrai. Je me demande bien. Si vous avez demandé à l'abbé, je vais être infect avec lui. Bah non, j'ai besoin de thunes, hein. Qu'est-ce que je te dise? Je suis en intermittent, hein. Arnold, veuillez prendre des notes. Nous allons commencer. Oui, bien sûr, votre révérence.
Alors, maître Malheur, quelle était la nature de votre relation avec Lorenz, le baron de Rottvogel? Il était mon amant. Je ne le connaissais que depuis une journée, nous étions en bons termes. Nous étions de connaissance, rien de plus. Le haha, ça me fume aussi, ouais. Monsieur Malheur, condamnez-vous les violences. Une caméra de vidéosurveillance vous a vu mettre le feu à une peau de patate. Qu'avez-vous à répondre pour votre défense? Je ne connaissais que depuis une journée, nous étions en bon terme, nous étions de simples connaissances, rien de plus. J'hésite parce que ça va clairement revenir me mordre dans le cul. Alors, on était full bro, ça implique que... Enfin, je sais pas quelle est son attitude à lui, à l'archidiacre, vis-à-vis de... vis-à-vis du baron. Alors, est-ce qu'on était gigapote avec lui, ou est-ce que... Non, on était juste des connaissances, en vrai. À distance. Allez, simple connaissance, rien de plus. Diriez-vous que vous ne le connaissiez pas vraiment? Oh, j'ai cerné sa personnalité quand même, je... Je le connais pas très bien, donc du coup, voilà quoi. Je le connais pas très bien, donc ne m'accuse pas de choses négatives vis-à-vis de lui, mais comme je suis extrêmement intelligent et que j'ai cerné sa personnalité, je peux te donner toutes les infos nécessaires et tu peux me croire et ne pas condamner Frère Pierrot. Comment le décririez-vous? C'était un homme raffiné, amateur d'art et de connaissances. Il était sûr de lui et autoritaire, le tenait toujours ce qu'il voulait. C'était un noble avec tout ce que ce titre implique de bon et de mauvais. Oui. Je suis le Enlighted Centrist. La noblesse vous... Oh merde, vous pose-t-elle problème, maître Malheur? Eh bien un peu, oui. Non! C'est bon, je suis étiqueté comme un sale gauchiste. Monsieur Malheur, êtes-vous un sale gauchiste? Vous ne condamnez pas les violences? Les violences, vous condamnez? Vous ne condamnez pas les violences? Est-ce que vous condamnez les violences? Les condamnances, est-ce que vous les condamnez? Ah! Est-ce que je vais me faire démolir dès le début? Dur. Monsieur Malheur, vous sortez de l'arc républicain. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bien, selon vous, quelqu'un d'autre aurait-il pu avoir un différend avec lui? Juste, fun fact, regardez ce macabé qui est en train de voler ce chapeau au noble avec une grâce sans pareil. C'est incroyable. Anticapitaliste. Réel. Bref, j'ai envie d'être lui. Travail bien fait, oui. Bon boulot. J'ai quelques noms en tête, votre révérence. Eh bien, voilà qui pourrait nous aider à résoudre ce problème dans ce cas-là. Car voyez-vous, le baron Rottvogel a été assassiné ici même, dans cette pièce. Quelqu'un est forcément le coupable. J'ai moi-même léché le sang sur les murs. Le père Gernot pense que le responsable est l'un des moines, Frère Pierrot. Sérieusement, il s'est touché les couilles pendant 2 jours pour avoir la même conclusion. Wouah. Car voyez-vous, j'ai rencontré Pierrot et l'ai longuement interrogé. Il est peu probable qu'un homme de son âge et de son tempérament ait pu assassiner le baron. Cependant, on l'a pris in flagrante delicto. Je suis trop heureux, j'allais dire in flagrante delicto. Est-ce que je pourrais faire mon actuali? Je pourrais faire mon actuali. Actuali, en effet, il a découvert le corpus delicti. On ne l'a pas pris in flagrante delicto. Le corpus delicti étant le corps du crime, parfois au sens propre, souvent au sens figuré. Principe qui doit être prouvé pour établir qu'un crime a été commis. Voilà. Mais oui, l'archidiacre, il est moins con, je suis trop heureux. En effet. Maître Malheur, reprécisant, factuel ou non sur le latin ou le droit ne m'intéresse pas. Si vous souhaitez plaider en faveur du frère Pierrot, je vous suggère de vous taire jusqu'à ce que je vous pose une question. Pas pose une question, non?
Pardon. Pierrot avait des raisons d'en vouloir au baron. La perte de son travail, son obstination à discuter des textes du provocateur de Wittenberg, dont nous prononcerons pas le mot. Oh là là. Mais les gens, ils aiment pas la précision, ils aiment pas la rigueur. Une tare de connaître le latin dans ce jeu. Mais oui, bien sûr, c'est terrible. Il n'y a pas une seule fois où ça m'a servi d'être un latiniste distingué. Mais quelque part, ça, personnellement, à titre vraiment personnel, ça me fait plaisir parce que toutes les réflexions que je me fais, j'ai la capacité de les faire dans le jeu. Donc, honnêtement, si ça se trouve, je finirai au bûcher d'ici la fin du playthrough, mais... Voilà. J'aurais donné libre cours aux pensées intrusives. Quant à son âge et à son infirmité... Infirmière. Oui, bon, ça va. J'ai lu personnellement de nombreuses affaires dans lesquelles les hommes de force modeste succombent aux tentations du diable. Pris d'une fièvre diabolique, les malheureux pêcheurs sont investis d'une force infernale qui les pousse à infliger de graves blessures, parfois mortelles. Ce que j'entends par là, c'est que malgré de circonstances étranges, frère Pierrot apparaît comme l'auteur le plus crédible de cet acte infâme. La drogue. Oui, sans doute. Alors d'ailleurs, c'est totalement faux parce qu'il a, il a pas vu l'autopsie. L'autopsie a clairement montré que la source de la mort, c'était un choc au crâne et pas la blessure légère à la poitrine. Donc bon. Bref. Après, ce que j'ai compris, vous êtes en bon terme avec le fier Pierrot. Vous êtes également entretenu avec le baron en ville et à l'abbaye. Avez-vous été témoin du moindre élément suggérant que quelqu'un d'autre aurait pu assassiner le baron Rotvogel? Alors, qu'est-ce qu'on aime? Je peux accuser Martin? C'est l'heure de anti-Martin! Par pitié! Mais putain, Pandouiche, sac à merde! Qu'est-ce que tu fous? Pandouiche, cette fois-ci, je regarde. Je regarde. Amateur Music. J'attends, je te regarde droit dans les yeux. Y'a pas de soucis. Merci. Bon. Revenons à nos oignons. J'en peux plus. La compétence de cet homme est absolument merveilleuse. Jésus dit père, la prison t'a changé, patate en mousse. Il a trouvé Jésus en prison. J'essaie de cliquer deux fois sur une emote. Par pitié. C'est l'heure du anti-Martin. C'est pas l'heure du bun de patate en mousse, par pitié. Donnez-moi vos anti-Martin, mes enfants. Donnez-moi la force. Merci. Anti-patate en mousse. Non ! Ah ! Anti-patate en mousse. Misère. Alors, vraie question. Est-ce que j'accuse Martin directement ? Et j'aurai une seule possibilité d'accusation, ou est-ce que je peux accuser plusieurs personnes? Et dans ce cas-là, j'accuse aussi Ferenc, parce qu'honnêtement, Ferenc, voilà quoi. Honnêtement, je pense que c'est le mec qui est le plus à même. C'est clairement le mec le plus à même. Mais de l'autre côté, Martin, on a enfin la possibilité de le foutre en taule.
Eh, vous savez quoi, je vais dire d'abord Perrin, parce que en vrai, je me dis qu'il y a peut-être, moyen, il y a peut-être un monde où je peux proposer plusieurs. On l'a jamais revu, mais oui, il est à Nuremberg là, il est chez mon daron. Ah oui, bah, il faudrait le retrouver. Bon allez, écoutez, on va sortir Perrin anti-Martin cependant, bien entendu. Amab, All Martins are bastard. De toute façon, il n'y en a qu'un seul. Bon. Surtout Martin Bauer. Bon, on va balancer Ferenc sous le bus, là. Hop là. Voilà une accusation effarante, Andreas. L'abbé ne tarit pas d'éloges sur le prieur et il supervise votre travail ainsi que celui du frère Pierrot, n'est-ce pas exact? Oui. Mais le rôle du prieur Ferenc dans le scriptorium n'a rien à voir avec son mobile. Une accusation aussi effarante exige des preuves tangibles pour que je la prenne au sérieux. Et pourquoi devrais-je croire la parole d'un artiste plutôt que celle d'un membre respecté de cette abbaye? Mais parce qu'il en a pas branlé une pendant 4 jours! C'est terrible! Soutien total et inconditionnel aux troupes de l'évêque. Cité. Cité. Soutien total et inconditionnel à la Sainte Inquisition. Stiseux. Nottle Martin, c'est vrai. Ça va, là, Nottle Martin est en train de trouver, là. En train de trouver des excuses. Non, tous. Tous! Je peux vous venir des preuves du mobile du prieur Ferenc. Eh bien, faites donc! Le jour où le baron est arrivé, j'ai secrètement observé le prieur Ferenc dans le scriptorium. Le baron Rothvogel, le prieur Ferenc, s'écrivait des lettres dans lesquelles il parlait d'effectuer un rituel magique lors de la visite du baron. Oui. Oui, c'est... Oui, c'est... Falouche qui rigole à ses propres blagues. T'as vu? Mais en même temps, forcément, Jean Pindwitch, à force, il va bannir tout le monde du chat, il faut bien qu'il rigole encore avec quelqu'un, le pauvre. Terrible. En avez-vous la preuve? Oui! J'ai une lettre que le prieur a écrite au baron. J'ai l'empreinte d'une lettre que le prieur a écrite. J'ai la lettre que le prieur a écrite au baron. Ta-da-da-da-da-da! Ragot croustillant. Oh, je l'ai bloqué. Dites à Jacob Estler des ragots sans importance. Comment ça, des ragots sans importance? Mais j'en peux plus, mais le jeu, il me nuit. Le jeu, il me nuit. Des ragots croustillants racontaient à Jacob Hessler des ragots sans importance. Littéralement, ils étaient en train de faire des rituels occultes. Ils étaient en train de se shoot à l'adrénochrome dans l'arrière-boutique d'une pizzeria de Brooklyn. Et ils considèrent ça comme des ragots, le jeu. En gestion de chat. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Bref. Le prieur explique qu'il n'effectuera pas de rituel pour le baron, même si celui-ci met à exécution sa menace de le dénoncer aux inquisiteurs d'Innsbruck. Je suis désolé, il y a l'inquisition, quoi. Être impliqué dans une... Flo, est-ce que tu viens de ban Saurien de la chaîne? Je viens de recevoir un message à l'instant. Est-ce que tu viens de ban Saurien de la chaîne? Regarde-moi. Là, c'est pas grave. On est entre nous, là. C'est bon, là, je mets le jeu en pause. T'as vu son message, là? Bah, je suis désolé, je reprendrai mon ticket resto expiré, c'est tout, c'est plus possible. La place du prieur aurait été menacée, peut-être même dans sa vie. Et selon vous, comment le prieur Ferenc aurait-il tué le baron? Je prie pour que vous ne me parliez pas d'un rituel magique. Mais oui, mais par pitié, Patatan Mousse, là, c'est plus possible, là, il faut libérer la parole. On peut pas faire, pas interagir. C'est terrible. C'est terrible, il faut créer une cellule de soutien psy, là. C'est pas possible autrement. J'ai pris que vous ne parliez pas d'un rituel magique. Bah non, hein, écoute, juste, il l'a banni. J'ai trouvé une baguette en argent qui appartient au prieur Ferenc. Il y a du sang séché dessus. Une baguette en argent?
Sûrement un objet magique quelconque. Mais sa taille et son poids correspondent à la blessure que le baron a reçue à la tête. Et dont le père abbé ne vous a sans doute pas parlé. Oui ! Soryanbas est de retour ! Youpi ! Youpi ! Et comment vous êtes-vous retrouvé en possession de cet objet ? Ah ! Ah ! Le moment où je vais être obligé d'avouer que j'ai manipulé le moine attardé mental pour lui faire creuser une tombe. Ni pour rien, putain. Regardez Soryanbas là qui a touché son billet là. Youpi! C'est vrai, hein, c'est vrai. Mais bon, en même temps, c'est... C'est un de mes meilleurs modos, ce qui est dire du niveau de modération de cette chaîne, mais bon. Idée de downfall de Gérard Darmanin en repassant mes t-shirts. Oh! Attends, comment ça le downfall de Gérard Darmanin? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait encore Gérald Darmanin? Putain, mais c'est terrible, il y a du drama partout là. Bon bref. Alors en vérité, j'ai dû quelque peu déterrer une sépulture. Maître Malheur, bien que je ne sois pas là pour vous faire porter la responsabilité de votre acte, sachez que j'en informerai le père Gernot. Le père Gernot le sait déjà. Il va être tose. Oh la singerie. It's happening. Oh putain, mais je m'habille comme... Bah écoutez. Petit outfit. Un pull col roulé vert de chez Muji. Qui est extrêmement confortable pour les soirées d'été. Ensuite, pour un peu plus de chaleur, je vous conseille une petite veste Décathlon dont les carreaux se marieront avec le vert. Ensuite, pour le bas, bah, actuellement, je porte un jean, quelque chose d'assez simple. Et pour aller avec le vert des carreaux, je vous conseille des charentaises cette saison. Et en même temps, ça permet de faire un rappel avec le rouge et le vert. Voilà. Ensuite, on a toujours le rouge des chaussettes avec des petits crabes dessus qui, elles, vont venir se marier avec le... Avec la polaire. Bah écoutez, joyeux downfall de Darmanin, hein. Joyeux downfall de Darmanin, les amis. Oui. Voilà, c'était mon outfit pour la chute de Darmanin. Donc, Père Gernot, il sait, ouais. Y a pas de souci. Avez-vous autre chose à ajouter concernant le prieur? Nope. Très bien. Qui d'autre aurait pu souhaiter la mort du baron? Chansard, c'est un pilier de la communauté. Chansard, il est 100% commu. Il est 100% commu, déjà. Jamais on le jettera sous le bus. La sœur Mathilda, même si c'était elle. L'authentique Baron Smo. Oui, c'est moi. Bonjour. C'est moi dans une autre vie. Attends, d'ailleurs, où est-ce que c'est encore affiché, là? Normalement, c'est caché. Le Baron Simoquet, oui. Alors, la sœur Mathilda, jamais on la jette sous le bus, même si c'est elle. Parce que bon, franchement, ça va. Martin Bauer. Cependant, on a toutes les raisons du monde de le jeter sous le bus, et vous pensez bien qu'à aucun moment, je ne vais m'en empêcher. Soutien aux victimes du baron, donc jamais jeter Mathilda sous... Aucun bus pour Mathilda, absolument. Et même Chansard, hein. Anti-Martin, oui, s'il vous plaît. Je pense que c'est vraiment, ouais. En vrai, je suis en train d'y réfléchir, mais genre... est-ce qu'il le mérite vraiment? En vrai, j'ai quelques scrupules, imaginez si on l'a... Ah! Excusez-moi, j'ai éternué, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Oh non, bah... Excusez-moi, je suis en... Oh putain, je tousse.
Je suis désolé, j'ai pas fait exprès, j'ai toussé ce... Oh là là. Quoi, son nom est apparu dans ses enquêtes? Mais non, c'est terrible! Ce que je comprends, c'est qu'il s'est enfui avec certains des objets de valeur du baron. Quoi? Arnold? Eh oui, votre révérence, une bague en argent, une bague en or, 12 florins, 10 gros et un livre. Merci, je sais ce que c'est un florin. 10 gros et un nez et un livre destiné à être offert à l'abbaye. Oh là là. Oh là là. Mais quoi comprendre que ce garçon était connu pour être un voleur, mais aussi pour être un lâche. Et le vol a eu lieu dans les logis des hôtes de l'abbaye après le départ du baron. Malgré tout, il est toujours possible qu'il ait pu commettre le meurtre, votre révérence. Oh, je vais appuyer un tout petit peu. On sait jamais... Oh, non, non, non. C'est possible, mais très improbable à mon avis. Pour l'instant, je ne le considère pas comme le vrai suspect pour le meurtre du baron. Qui d'autre aurait pu souhaiter la mort du baron? Personne. En vrai, Mathilda quand même, avec l'appel et... Ah bah, excusez-moi. Marté est un voleur, un lâche et un connard, votre révérence. Et si je puis me permettre, une sacrée tête à claque. Franchement, regardez-le pendant plus de 15 secondes et vous comprendrez. Eh bien, savez-vous autre chose qui pourrait nous éclairer dans cette affaire? Père Florian, vous a-t-il parlé de la note qu'il a... Florian. Ah oui, frère Florian. Vous a-t-il parlé de la note qu'il a trouvée dans les vêtements du baron? Oui, frère Florian m'a expliqué comment il l'a trouvée et m'a parlé de son contenu. Maître Adeljäger m'a inscrit son témoignage dans nos registres. Mec, il chasse les Adèles. Pas cool. Pas très sympa. Ou alors est-ce qu'il chasse les... Bah non. Adler, c'est Adler. Oui, bon, bref, pardon. Je vais éviter de dire des trucs en allemand, là, parce que la dernière fois, ça m'a pas trop réussi, je vais pas mentir. Je ne saisis pas les sous-entendus. Qui est l'âme innocente? Mensonge. Un autre mystère, me semble-t-il. C'est la femme de Gate. Vrai. Vrai, 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 vrai. Réel. Réel. Eh bien, c'est un mystère. On ne sait pas qui c'est. J'ai pas compris. C'est absolument pas la femme de Chansard. La première fille de Chansard. Pensez-vous que le meurtrier l'a écrite? Qui que soit son auteur, il s'agit d'un excellent scribe. Bien au courant, le type. Ouais, plutôt bien informé, ouais. C'est bien réel. Je crois savoir que Kirsau en a deux. Le plus ancien frère, Eidok, et le plus jeune frère, Guy, qui est une mère de sang pareil. En toute franchise, votre révérence, ni l'un ni l'autre n'a les compétences pour écrire ainsi. C'est un gothique de la plus pure espèce. Or, Eidok est une vieille merde, et Guy est... Pardonnez-moi, monseigneur, il est français. Et puis, il y a autre chose. Le style est tout simplement inhabituel. Il ne correspond pas à l'écriture d'Eidok ni de Guy, ni à la mienne. Oui, eh bien, quels que soient ces détails, on dira que cela restera un mystère indépendant de ce crime. À moins que ce ne soit absolument lié. Malheureusement, ce n'est pas tout. J'ai trouvé d'autres notes. Des notes rédigées par la même main et sur le même type de parchemin. Je suis vraiment en mode Phoenix Wright, là. Objection! Ah bah attendez, en vrai. Est-ce que c'est pas le moment? Attends, est-ce qu'on n'a pas... Non. Putain, je veux la musique classique, là. Voilà. Voilà. Que c'est pas moment. Peut-être, hein. En vérité, peut-être, hein. Des notes rédigées par la même main et sur le même type de parchemin ont été adressées à ceux qui avaient une raison de le tuer. C'est profondément troublant. Mais là encore, ça ne relève pas de mon champ d'investigation. Le mec, c'est un fonctionnaire, hein. Oui, oh, désolé, hein. La pause, elle est à 17h, hein. Quelle goutte.
Jacob, il se foule pas dans son enquête. Il a un week-end chasse à Fribourg cette semaine, c'est compliqué. Ça, bah oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, là. Il a une aubade du troubadour, là. Il a le dernier... Oui, ça mêle, putain. Il a le dernier de Bernard de Ventadour à aller voir en live, là. Et il n'y a pas que ça à foutre, hein. Je vous remercie de m'en avoir informé. Ah, ok. Avec plaisir, votre révérence. La bise. Mouah. 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 Allez, chez moi, c'est 4. Mouah. Mouah. Sans vouloir vous en penser, j'espère qu'il n'y en aura pas. Allez, on va... Allez, on va être... J'ai un cheval qui passe à 20h, j'aimerais pas le rater. Il y a une barque qui passe... Le jour du jugement dernier. Mai 1518. Comment ça? Peter. Andreas. Je ne pensais pas que vous viendriez. Je ne le pensais pas non plus. Peut-être voulais-je le voir. Voulais-je voir comment tout cela se terminerait finalement. Pourquoi je n'aurais pas manqué cela? Oh merde, c'est l'exécution et on sait pas ce qui se passe. Oh. Allez, je vais voir comment ça se finit, hein. Ils vont écarteler Martin. Oh là là, mais... Oh, mais que Allah me facilite, que Allah me facilite qu'ils éclatent... Mettez-en 1080. Petit Martin, par pitié. Par pitié, par pitié. C'était le prieur, figurez-vous. Avez-vous jamais parlé de lui à l'abbaye, Andreas? Ah merde, j'allais dire c'était le prieur en mode genre... Waouh, j'ai bien deviné, mais en fait non, c'est juste parce que c'est lui que j'ai chargé. J'ai chargé la barque sur lui, en fait. Mais non, c'était sûr que c'était le prieur. Avez-vous jamais parlé de lui à l'abbaye, Andreas? Le brieur. Ah! Le prieur! Faites exécuter Ferenc! Oui! S'il bute Martin devant sa femme et son gosse, là... Oh! Bah, écoute, son gosse, il a 4 mois. Et sa femme, je pense qu'elle a quelqu'un qui la consolera assez rapidement. Donc, honnêtement... Mes mains sont propres, mes yeux sont secs. Vous avez manqué le procès, Andreas. L'archidiacre a lu les chefs d'accusation et l'a déclaré coupable. Je travaillais avec lui presque chaque jour, Clara. J'ignorais qu'il était capable de tuer. Je ne crois pas que Ferenc soit coupable. L'archidiacre s'est trompé. Il était obsédé par la magie noire. Alors, je vais quand même pas commencer à déjà faire voyager les rumeurs, mais... Oui, non, je savais pas qu'il pouvait tuer. C'est totalement moi qui l'ai fait buter, mais... Mes mains sont propres et mes yeux sont secs. Ah, ils veulent vous faire croire qu'ils sont pieux. Mais tout ce qu'ils souhaitent, c'est faire mourir la ville à petit feu. Du calme, Peter. Ah, voilà la procession. Oi, 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 Martin voleur. Ah bah tiens. Salut BG, Otto. Ai-je manqué quelque chose? Salut la compagnie. Non, non, rien du tout. Andreas. Otto, mon ref, comment ça va? Oh. Oula. Je vais me faire gêner. Non, la femme de Martin. Ils vont demander à la femme de Martin où est-ce qu'elle... Ah non. Agnos Dei Quitoris... Ah non. Agnus Dei Quipeta, je suis innocent, Dieu le sait! Contrairement à vous! Agnus Dei Quitoris Peccata Mundi Ministere Vobis! C'est pas possible, ce n'est pas possible! Agnus Dei Quitoris Peccata. Oh! Oh, il a essayé de faire une Skyrim là! J'ai aussi fait buter Ferenc, mais je pensais que c'était pas lui honnêtement. En vrai, Patate en Mousse, je pense que c'est pas lui non plus, hein. Je pense que c'est pas lui non plus. Mais je pense qu'en fait, il n'y a aucune bonne solution. Je pense qu'il n'y a aucune bonne solution. Genre, tu... C'est... Je pense que c'est ça tout l'horreur du jeu aussi, c'est qu'en fait, tu... Genre, t'es quasiment obligé de faire condamner quelqu'un que tu penses être innocent. Putain, Pandouche, j'en peux plus, il a dû ça. Oh, le pauvre Kiki. Oh, putain. Ah, je me sens giga mal. Je me sens giga mal. C'est horrible. Silence. Silence.
J'ai une petite idée, mais oui, la bonne solution, elle n'existe pas. Ouais, non, parce que je veux dire qu'en plus, ouais, même. Même si c'était quelqu'un genre Mathilda ou Chansard, en vrai, genre Mathilda, on a quand même pas mal de... On a quand même pas mal de preuves contre elle. Mathilda, jamais je l'aurais poussé sous le bus. Pour qui a physiquement tué le baron, pas pour les lettres. La bonne solution, c'était pas Zigouille, anti-Martin. Bah si, dans le doute, hein. Dans le doute de buter Martin, en vrai, j'en sors. Ça aurait mis tout le village d'accord. Tout le village, dans le doute. Jordan au bureau d'exécuter son œuvre. Tiens donc. Ah oui, vraiment. Je lui garantis la paix et la sûreté, quoi qu'il advienne. Mais je suis pas fier, hein. Je suis pas fier, hein. Je suis pas fier. Quick. Monsieur le juge, mon exécution était injuste. Votre exécution était conforme à la loi et au jugement rendu. Ah, je vous ai privé du sang, hein. Vous avez pas droit au drama. Vous avez pas droit au drama, là. Vous avez droit qu'à mes scrupules. Je remercie Dieu et mon maître qui m'a enseigné cet art. Me demande s'il tue aussi par décapitation si c'est pas Ferinque. Vraie question. Alors, je pense que si c'était Martin... Je sais que c'est de votre fait, Andreas. YouTube, fin de Pentiment, Martin sans détourner le regard H2004. Je pense que si c'était Martin, par exemple, vu que c'est un voleur et une petite merde, il l'aurait pendu haut et court. Si c'était une femme, il l'aurait sans doute peut-être fait décapiter. Je sais pas comment il les tue, les femmes. Je pense pas qu'il l'aurait brûlé quand même. Peut-être qu'il l'aurait brûlé. Oh, ça aurait été horrible. Ça aurait été horrible. Et si c'était Chansard, en vrai, je pense qu'il l'aurait pendu aussi. Hein. YouTube, fin de Pentiment, Martin, sans détourner, oui. Toute une mythologie, dis donc. Oui, je pense que vraiment j'en parle une fois par stream. Mais quand je ferai Kingdom Come Deliverance, il y a une mission où on doit aider un bourreau à rater une exécution. Et il y a justement tout un petit chapitre sur ça de qui se fait tuer comment. C'est très 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 intéressant. Ça dépend du statut. Étranglé, pendu, sinon... Oui, c'était pas très très clair la manière dont je l'ai dit, mais oui. Décapité si tu es noble et ou religieux, mais du coup, comme il n'y a pas de religieux dans Kingdom Come, je peux pas vous dire. Mais ouais, sinon c'est pendu, je pense. Je sais que ça doit être fait, Andreas. Vous savez que tôt ou tard, Ferinque aurait été pris pour les intérêts qu'il manifestait. Plaignez-vous-en à l'archidiacre, je n'ai rien à voir là-dedans. C'est à vous seul qu'il doit vous prendre. Voilà des années que vous fermez les yeux sur ses activités. Frérot, j'ai ma part, prends ta part aussi. Rien à foutre. Tu manges ta culpabilité. Comment osez-vous? Mesurez-vous les pressions que je subis pour préserver cette abbaye? Eh ben écoute, peut-être que le fait de ne pas avoir un adorateur occulte en numéro 2, ça aurait pu t'aider, je sais pas, désolé. Devez-vous pour autant ignorer le fait que votre prieur étudie la magie noire? Ou qu'il a tué un homme? Alors pour le tuer un homme, je suis pas sûr, hein. Mais bon. Vous n'êtes plus le bienvenu à Kirsau, Andreas Malheur. J'enverrai votre dernier paiement au Gärtner. Puissiez-vous jouir d'une carrière longue et prospère à Nuremberg et ne jamais reparaître ici. Au cas où je regarde la débit, il lui fait 3 coups pour réussir. Ah, c'est pas très bien réussi alors, hein. La masterclass. Il me semblait que là on avait entendu juste un tweak pourtant. On avait juste entendu genre. Et genre splutch. Mais oui, ensuite c'est vrai que. Et ça même jusque. Enfin jusqu'au 20e siècle où les exécutions publiques étaient des spectacles de rue. Il y avait un véritable art du bourreau qui devait vraiment. Qui avait une fierté de faire ça d'un seul geste. Ouais, d'accord.
En fait, ouais, si tu détournes nos regards, c'est genre un tweak et on n'en parle plus. Et genre, si tu regardes, genre, on te fait bien marquer que genre, c'est galère. Bien visé avec les os, hein. Ah ouais, hein. Faut bien viser entre la troisième et la quatrième vertèbre cervicale, là. Tweak! Mais ouais. Mais donc, du coup, il y a vraiment un art. Un artisanat. Andreas non grata. Terminé l'acte 1 sans la faveur de l'abbé. Je suis finito là. Andreas! Ainsi donc, vous nous quittez. Une super série de romans sur une dynastie de bourreaux. Dieu et nous seuls pouvons, mais. D'accord. Ok. Oh non, pas le cul. Ça va, c'est pour lui qu'on a enfreint toute la convention de Genève. On peut bien lui faire un petit bisou là. J'en ai bien peur, Pierrot. Nos adieux seront brefs. Le père Gernot m'a fait comprendre que je n'étais plus le bienvenu à Kirsau. SO la famille, Sanson c'est ma France. Véronique Sanson. Par pitié, douche-toi maintenant. Non mais non, Pierrot, c'est plus possible là, tu... Sans la pisse à 4 km là. C'est lui qui sentait le soufre en fait. Imaginez, c'est lui qui sentait le vieux prout en fait. C'est lui que Sœur Margaret, elle a senti. Oh, ça sentait le vioc. Ça sentait... C'était l'extrait d'EHPAD de Chanel numéro 5. C'est lui là. C'est notre vieux collègue enlumineur. Le P-word. Le vieux puant. Pénis. Prout. Le vieux prouteux. Vous voulez que je lui fasse un petit câlin et que je... Le vieux prout. Oui, j'ai sans doute dit le vieux prout. Bah écoutez, si on se fait un petit câlin en se quittant, vous savez très très bien ce qui va se passer. J'espère que le temps finira par adoucir le cœur du père abbé et qu'il réalisera que vous ne cherchiez qu'à m'aider. Votre départ m'attriste, mais ainsi vont les choses. J'espérais vous voir rester un peu plus. Le monde, il a besoin davantage de vous que Kirsau. Vous avez dépassé les limites de cette vieille abbaye pour devenir un maître à part entière. Et vous allez vous manquer, figlio mio. Ah, vous aussi. Venez, votre chef-d'œuvre il est terminé. Pourrais-je le voir une dernière fois avant que vous partiez? Ah, bien sûr. Votre avis m'est précieux. La balle, ouais. À la vie d'un vieux moine, il importe poco. Néanmoins, je suis impatient de savoir enfin le résultat final. Lavez-vous, au nom de Dieu. Hop là, une petite éponge, un petit kit vivel d'op là. Oh, regardez, c'est Jorg. Gros Jorg mentionné, vous avez vu? C'est le vieux Peter, ça c'est sa femme. Trop bien. Ma, Dio mio, il mérite pleinement le titre de chef d'œuvre, de capo di lavoro. Je suis au-dessus en bas. Ah, oh, pardon. Voilà. Regardez-le. Notre Jorg, le vieux Peter, et j'ai oublié son nom, pas de Catherine. Les motifs végétaux des Marginalia sont super stylés, effectivement. Effectivement, attendez, hop là. Mandatoire capture d'écran, voilà. Et waouh. Petit escargot qui est un banger ici. Qui est bangeresque. Ça par contre, ça fait très... Ça fait beaucoup plus moderne, par contre. C'est presque des motifs genre... ouais, presque un peu genre 17e et tout. Beau canard. Canard mentionné. Pourvu les canards.
C'est pas grave, vous savez quoi. Il mérite vraiment le titre de capodiavolo. Et je vois que vous avez eu à cœur de suivre mon consiglio. Quel conseil? Celui de vous investir dans votre art. De ne pas vous contenter d'interpréter le travail des autres, mais de créer quelque chose qui est vrai, qui est vero. Oh, c'est moi, regardez. Moi mentionné. Ensuite, les autres, je les reconnais pas trop. Mais Yamoué. En bas dans l'herbe, les deux gros canards à poil. Oh. Bégé de fou. Eh ouais. Ah, ils sont stylés en vrai, ouais. Cela dépeint le monde. Le monde est tel qu'il est, tel que vous l'avez vu. Même si cela, il peut déplaire. J'outrepasse peut-être mon rôle en disant cela. Mais, io si fier de vous, Andreas. Matin. Oh, j'ai fait tomber un truc. C'est quoi? C'est une dick pic. Un bout de pergamino. Oh non, si c'est la confession, si c'est la confession de quelqu'un, je me fous en l'air. Ne revenez jamais ici. Une mise en garde? C'est l'écriture du père Abbé! C'est l'écriture du père Abbé! Le mec qui écrivait, c'est... Ah! 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 Je deviens le plaisantin! Je deviens le plaisantin, excusez-moi. J'y pep. C'est une singerie! C'est quoi ce drama là? C'est quoi ce plot twist de Gaulmont là? Oh le salaud! À qui elle appartient cette écriture? Elle ne ressemble ni à celle de frère Aidoc, ni à celle de frère Guy. Florian et moi avons trouvé une note semblable dans les vêtements du baron. J'ai découvert que d'autres avaient reçu ce genre de notes au cours de mon enquête. Quelqu'un voulait l'obliger à se rendre dans la salle capitulaire au beau milieu de la nuit. La personne qui l'a rédigé devait connaître assez bien ses secrets pour le faire réagir. Elle s'en est servie pour le faire assassiner comme quelqu'un qui tirerait sur des ficelles et ayant jadis été enfoui. Ah, c'est effroyable! Qui serait capable d'une telle chose? J'aimerais bien le savoir. C'est le père Abbé. C'est le père Abbé. Il faut lui casser la gueule, c'est le père Abbé. On va lui foutre en... On va lui casser la gueule en sortant. C'est très grave. C'est terrible. Et ne vous tourmentez pas outre mesure. Votre avenir vous attend à l'extérieur des murs. J'espère que vous avez l'occasion de revenir me voir quelquefois au cours de vos voyages. Avant que le Seigneur, il me rappelle à lui. Mais oui, de fou. Si le père Gernot ne s'y oppose pas. Il est merde. Les jours meilleurs, ils nous attendent. N'en doutons pas. Oh ouais, de fou. Et je dois toujours buter Martin, hein. En vérité, je dois toujours buter Martin. Et que Dio, il vous bénisse, Andreas Mahler. Merci d'avoir été mon ami à une prochaine fois. Merci pour vos conseils à une prochaine fois. Dieu vous bénisse, frère Pierrot. Merci d'avoir été mon ami à une prochaine fois. Prends une douche par pitié. Le baron, vous avez terminé l'acte. Ah ! C'est moi ? C'est moi ? C'est mon fils ? Ma bataille ? Caspar. Ah non, c'est mon élève. Vous sentez-vous bien, maître Andreas ? Pardon ? Vous sentez-vous bien, maître Andreas ? Ah oui, merci, je me rappelais mon ami. Vas-y. Allez, mon pote ! Faut y aller. Allez. Son hôtel. Il sent encore moins bon mort que vivant. Je pensais pas que c'était possible. J'essayais, en tout cas.
ces souvenirs tentent à m'échapper. Ah. Voulez-vous que je vous laisse seul? Non, Caspar, ce ne sera pas nécessaire. Il n'est plus rien qu'on puisse faire. Il est trop tard. Comme pour bien des choses. Andreas Malheur. Vous ne pensez pas vous revoir un jour ici? Étiez-vous à Nuremberg ces 7 dernières années? Il est passé 7 ans. Non, j'y suis resté un temps, puis des opportunités lucratives se sont présentées à l'étranger. Oh! On a encore plus de choix de parcours, trop bien! Eh, n'empêche, vous avez vu comment je suis stylé un peu, là? Avec la petite pelisse et tout, là? Oh! Est-ce que je suis parti en Pologne, là? Est-ce que je suis allé voir les femboys en Pologne? La référence est de répercussions de Cracovie, de Prague et de Buda. Que je suis parti en Angleterre, je connais l'anglais. Et peut faire référence à des repères culturels de Londres et d'autres régions de la Grande-Bretagne, ce que je passe ici en France. Connais le français et peut faire référence aux repères culturels de Paris, Tours et Dijon, où est-ce que je passe ici en Aragon. Si tu veux, tu peux redescendre la fenêtre de ma webcam. Ouais. Ah oui, effectivement. Oui, ça cache un peu le... Hop là. Ah, on est très bien comme ça. On est très bien comme ça. Pardon. Attends une seconde. Hop. On enlève le mode Andreas Holmes. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pitié. Voilà. C'est bon, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Choisis une Angleterre. A raison, en vrai, ça a l'air d'être pas mal, là. Tu es gothiqué, tu es en plein gothique parallèle, là. Je connais un peu l'espagnol et l'arabe. Oh, bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Ah, excusez-moi, il faut juste que je réactive mon deck. Hop là. C'est déco. Oui, perpendiculaire, pardon, désolé. C'est à force de dire des conneries, mon rebeu. L'espagnol et l'arabe peuvent faire référence à des repères culturels de Barcelone et de Valence. Ça peut être stylé. En vrai, la France, j'aimerais bien, parce que je peux faire des références assez précises. En vrai, je pense que je vais prendre la France. Je suis désolé, c'est la Basic Beach Route. C'est la Basic Beach Route, j'en suis conscient. J'en suis conscient. Ah, quoique l'Aragon, ça peut être sympa aussi. En vrai, l'Aragon, ça peut peut-être l'occasion de faire une petite tangente sur de Al-Andalus. Attendez une seconde. Hop là, excusez-moi. Je vais essayer de faire un truc. Est-ce que je peux y arriver seulement? Est-ce qu'on peut faire un sondage ou pas, là? Non, on peut pas faire de sondage. Putain, on peut pas faire de sondage. Bon, bah dites-moi, genre, comme ça, là, vous... Moi, c'est entre la France et l'Aragon. Et l'Aragon. Je suis chaud pour l'Aragon, en vrai, parce que... Ça pourrait peut-être me permettre de faire un petit tunnel sur l'art de l'islam en Espagne. Ensuite, la France, je pourrais faire la même chose pour l'art français. Hein. Dites-moi. Donc, on va dire pour l'instant, j'ai une France. L'Aragon, ok. Ok, d'accord. Non, mais en vrai, j'en tout, je serais à l'aise avec tout. Hein. Et au pire, je vous ferai quand même un point sur l'art de Al-Andalus. J'hésite, mais Aragon, c'est sympa, même si je connais pas du tout, c'est un... L'islam, c'est déjà bien fait bouter. Bah, en vérité, on est en 1510, la Reconquista, elle est pas mal reconquistée, hein. 1553, la chute de Grenade, hein. Mais il y a encore des restes culturels, on va dire. Il y a des restes culturels. Mais oui. Tac tac tac. S'il y a d'autres gens qui ont envie de voter, d'où est-ce qu'on aura droit à rebeu des terres, rebeu distingué Andreas, ou est-ce qu'on sera baguette Andreas? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Moi, je pense que je vais partir sur Aragon là. Je vous laisse encore 2-3 secondes. Alhamdulillah.
Hamdoulay, he will be baked. Allez. Hamdoulay, Martin va rencontrer son créateur. Hein. Vous savez quoi? Je pense que Châtier Martin au nom du prophète, béni soit son nom, paix et bénédiction sur son nom, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc ouais. On va arriver expansion abbasside sur Martin. C'est parti. Appuyez, maintenez. Aragon maintenu. Passé plusieurs années en Aragon. On y apprécie les peintres néerlandais et mon style en était, disons, assez proche. Ces abominables inquisitions, ils ont-elles toujours cours? Ah, c'est vrai, en plus. Mais oui, c'est la Spanish Inquisition. Putain, pour la prochaine fois, je mets la Spanish Inquisition, par contre. Hein. Je suis désolé. Dans la péninsule, oui, mais un peu moins en Aragon. Pourquoi? Je les trouve cruels. Les Juifs ont aussi été boutés hors de Dijon. Quelle vilaine page de notre histoire. Ah, c'est vrai que oui, bah du coup, oui, Guy, il est français. Je m'étonne que c'est la mauvaise... Putain, Good Guy Guy? En arc de rédemption Guy? Oh, je me jetterai certes pas au feu pour les sauver, mais je ne trouve pas que ce qui leur est arrivé soit juste. Un de mes directeurs de mémoire travaille de ouf sur l'art hispano-flavant, sujet basé s'il en est... Oh! Oh, stylé! Alors, art hispano-flamand, je ne connais pas. Je connais l'art siculo-arabe, qui est l'art de la Sicile, du coup, qui est très inspiré à la fois, du coup, de l'art du Maghreb et de... à la fois de l'Italie et même de l'art byzantin. Mais l'art hispano-flamand, je t'avouerai que je tombe de mon cheval. Ça va être noté là. Art hispano-flamand. Voilà, là, c'est noté. Malgré vos voyages et vos succès, vous n'êtes toujours pas le bienvenu à Kersao. Cette année n'ont pas suffi à effacer les événements de la mémoire de l'abbé. C'est un gros con, qu'est-ce que je te dise. La route qui me ramenait à Nuremberg passait par ici. J'ai voulu m'arrêter un instant. Je vous souhaitais présenter mes respects à un vieil ami. Vous le comprendrez sûrement. Oui, bah c'est mon bro, hein. Ce que je comprends, c'est la raison pour laquelle le père abbé vous a interdit l'abbaye. Qu'espériez-vous? Un retour triomphal? Soit. Dites au père Gernot que je passerai une nuit ou deux au Landhaus, en ville, avant de reprendre ma route. Oh! C'est d'abord... Parce que le Landhaus, c'est genre... Tu sais, genre, c'est l'auberge. On me demandait tout le temps pourquoi j'habitais chez les Gatner et pas à l'auberge. Mais je pense que c'est ça, en fait. Genre, j'ai make it big. J'ai make it out of Kersau. J'ai make it out of Kersau avec mon enluminure. Voilà, je regarde plus de 10 minutes comment faire un sondage, mais je crois que j'ai pas les droits. Pandwish, la vérité, je pense que c'est juste que j'ai pas... Je suis pas encore gros. Je suis pas encore assez gros pour avoir l'option sondage. Mais, apprécié. Du coup, les Grenadiens qui commandent des tableaux et des tapisseries des Pays-Bas, puis ils font venir des artistes, c'est très intéressant, des Pays-Bas espagnols. C'est ce que j'allais dire. Ensuite, il y a les Pays-Bas espagnols et tout, en fait. Je suis bête, j'ai pas fait... quand tu disais en mode hispano-flamand, tu vois, genre, j'ai pas tilté avec Pays-Bas espagnols. Mais oui, en fait, ça fait... extrêmement sens. Ça, c'est extrêmement sensé. Landhaus. Une auberge ou une taverne, généralement détenue et exploitée par une seule famille qui sert les voyageurs dans les zones rurales. Vous pouvez faire un Stropole, non, pour des sondages rapides. Pas entièrement faux. Pas entièrement faux. Ensuite, vu que bande de bâtards, on n'est que deux, enfin, je veux dire, c'est aussi simple si je vous demande et vous me dites comme ça, genre dans le chat. Juste vous me... Je n'ai pas fait tuer Ferinck si c'est de là qu'il retourne. Je suis totalement fait tuer Ferinck, qu'est-ce que c'est bon pour vous? C'est la mauvaise foi. Non, je passerai une ou deux nuits par semaine en ville et puis voilà. La main dorée. Je le lui dirai, mais je doute qu'il en ait cure. Eh ben qu'il aille se faire foutre! Pourquoi est-il si rustre?
Dieu vous bénisse. Et maintenant partez. Allez. Stropole. Let's go. Martin ? Vraiment pas du tout. C'est pas possible. Je veux les résultats par pitié. C'est 100%. C'est gagné à 100%. Bravo. Ouais, c'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Bah écoute, en vrai, s'il peut y avoir un limite, un bot ou un truc comme ça, faut que je fasse. Hein. Hop là, on revient. Et nous voilà à l'auberge. Tout le monde n'avait pas l'air content de vous voir, maître Andreas. Pourquoi la belle vous en veut-il ? Parce que j'ai buté son pote. Et que c'est un gros con. Les deux, en fait, étaient des gros cons. Hein. C'est terrible. Vers la fin de mon premier séjour à Tassing, un noble a été assassiné à l'abbaye de Kirsau. Le père Jarno a paniqué et a accusé mon ami, le frère Piero, d'avoir commis le crime. J'ai aidé à convaincre l'archidiacre, lors de son enquête, qu'un autre moine était le coupable, le prieur Ferinck. Eh, hey, tu sais quoi, c'est mon petit beau, c'est mon lil bro là, c'est mon lil bro, il a le droit de savoir la vérité. Il était exécuté pour le crime. Vous avez fait tuer quelqu'un ? C'était ça ou laisser un innocent mourir. Et lui, il était pas giga innocent. Vous n'aviez guère le choix, mais j'aurais été terrifié. Pourquoi n'en avoir rien dit avant ? Parce que. C'est horrible. C'est horrible, par exemple, je sais pas. Bien, cela n'a pas dû être facile pour que l'abbé vous en veuille encore après tout ce temps. Ah bah, je lui ai fait un peu à l'envers en même temps à l'abbé. Le pauvre Boug, il était en mode, allez hop là, le Vioc, il a pour 6 mois à vivre, mettez-moi ça à la poubelle. Moi, j'étais en mode, Actuali, il puis me permettre. Puis bon, voilà quoi, c'est finito. J'étais amené à faire des choix très difficiles. Peut-être était-il mauvais, je vis avec cela. C'était également captivant. C'est sociopathe, sociopathe Andreas. C'était génial, j'ai adoré. Les meilleurs moments de ma vie. J'ai kiffé ma race. Oui, non, mais c'est des choix un peu difficiles quand même. Hein ? Bon, on va pas mentir. Que faisons-nous ici si vous n'êtes pas le bienvenu ? On essaye de conquérir leur monde. Surtout, j'ai des conquêtes. J'ai adoré. j'ai des conquêtes à conquérir. Je souhaitais présenter mes respects à faire PO. Je souhaitais presser F sur la tombe de Pierrot, là. Véritable gamer que je suis. Et pour être franc, je n'ai pas hâte de retomber à Nuremberg. Car je hais ma femme. Et je suis pas en mode bigard, là. Je déteste ma femme. Es-tu des salopes, j'ai pas raison. Oh là là, la misogynie, c'est drôle. Pardon, excusez-moi. Cette commande... Non, m'excusez pas, en réalité. Je suis irrémédiablement perdu dans mon RP bigard. Cette commande n'est qu'un obscène étalage de la vanité déguisée en scène religieuse. Oh, ah ouais, je suis en mode protestant là. Mes mécènes ne cherchent qu'à se glorifier, eux et leur fortune. Je redoute chaque nouvelle commande plus que la précédente. Chaque pas qui me rapproche plus de chez moi est une souffrance. Mais maître, vous êtes célèbre et riche. Votre travail, il est merveilleux. Quand j'ai vu votre retable à Nuremberg, j'ai supplié mon père de m'aider à devenir votre apprenti. Et c'était trop bien. Vous êtes mon rôle modèle. C'est vraiment mon fanboy, là. C'est mon Robin. Vite, Robin. À la enluminure cave. Je ne comprends pas comment vous avez pu accomplir tout cela et être malheureux. Alors, je sais, ce doit être difficile à croire. Je te ressemblais beaucoup autrefois. Mon unique accomplissement est mon travail, mais moi, je ne suis désormais plus qu'une coquille vide. Oh putain, le Andreas en dépression. Le Andreas en dépression, c'est terrible. Je pensais vouloir devenir comme mon père, comme mes frères. J'ai cru qu'il s'agissait de mon rêve. J'étais comme toi. Puis j'ai changé. J'ai changé. C'est l'argent, là. C'est l'argent. Ça me montait à la tête.
Jadis, j'aspirais si ardemment à cette vie que je ne pensais qu'à cela, jour et nuit. J'ignore si c'est moi qui ai changé, ou si ce que je désirais n'a en réalité jamais existé. Peut-être me suis-je fourvoyé tout ce temps. J'aimerais que la vie d'artiste... Comment c'est trop bon la vie d'artiste, par contre. Le Andreas de la deuxième partie, c'est terrible. Mais ça a l'air, hein. Ça a vraiment l'air d'être... Waouh. Voilà ce qui t'attend, Caspar. J'avais pas vu. Une vie de déception. La vie, c'est nul. Est-ce que t'as récupéré mes Xanax, par contre, que là, j'en peux un peu non plus, là, c'est... Non, mais on va quand même être un peu... Voilà, quoi. Apprendre mes erreurs, ok ? Très bien. Oui, maître Andreas. J'y arriverai, grâce au pouvoir de l'amitié. Je ne devrais point t'accabler avec des pensées aussi sinistres, Caspar. J'ai une deuxième partie en Andreas sous Xanax. Ah bah ouais. Il est passé chez maître Xanos de Nuremberg, là. Il a l'apothicaire maître Xanos, il a pris tout le stock, là. Bien. Allons rendre visite à mon vieil ami Klaus. Il est grand temps. Qu'est-ce que c'est bon la vie d'artiste, a dit un penseur. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Je suis désolé. Oh, c'est mon ref. C'est mon ref. C'est maître Bip-Boup. Bip-Boup, je suis un imprimeur. Comme vous voulez, maître Andreas. Mais oui. Ah oui, c'est parti. Entre visite à Klaus. Et ben voilà. Tierce, heure 9. Je n'ai parlé à personne ici. Je devrais arrêter chez Klaus pour voir... comment ça gaze aller se coucher. Non. Qu'est-ce qu'il y a ici à voir? La pièce est clairsemée. Par rapport à ce dont j'ai l'habitude. Oui, bon, notre Andreas, il est toujours bordélique de fou. Oh là là! Oh, c'est stylé! C'est qui ça? Anna. Je m'en souviens plus d'Anna. Bonjour, Andreas. Comment se passe votre séjour? Tranquille. Tout est parfait, Anna. Merci. Il est correct. La chambre est loin de ce à quoi je suis habitué. Ça pue la merde. Ça pue la merde. J'ai envie de me foutre en l'air, mais pas de soucis. Je m'attendais à pas grand chose. Andreas, le syndrome du néo-rural de Andreas, là, c'est terrible. Ce que vous pouvez dire au coq de Ster, par contre, là, c'est pas possible. Je suis désolé. Votre mère disparaît, bise le chat, bise mon dafès, je me suis culé à VOD. Ciao, Pandwich. Patate en mousse, gloire à toi, tu vas enfin pouvoir respirer. Mais oui, tout est parfait, merci. Tant mieux, vous êtes dans notre meilleure chambre. Je suis ravi qu'elle vous plaise. Y avait-il autre chose? Ah non, tranquille. Allez, la bise. Mouah. Mouah. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'autre ici? Non. Alors, si donc on a la prairie. Ici, on a un petit bug. Je me sens plus en sécurité. Oui, absolument. Tu es dans un espace safe à présent. Oh, c'est Kiki! Oh, c'est Kylian! Oh, c'est Kylian Mbappé! C'est Kylian Mbappé de Bondy! Et bonjour, maître Valeur! Comment ça va? Oh, c'est Nico! C'est Nico Bellic, là, de GTA 4. Ah, maître! Maître Valeur, c'est ça? Bonjour et bienvenue à la main dorée. En vrai, genre, il a clairement une moustache de gros serbe. Hein. C'est pas le cas. Nico Berger, c'est le propriétaire de ce Landhaus, que je gère de père en fils. Mon garçon vous a montré votre chambre, je crois. Vous convient-elle? Lui aussi, on aura un peu la voix dans Kylian Mbappé, mais un peu plus vieux, là. Un peu plus concentré, là. Ah ouais, elle est nickel. Elle est nickel. Je suis ravi de l'entendre, vraiment ravi. Trop bien. Quand vous êtes arrivé en ville, un des habitants a dit que vous avez vécu ici il y a quelques années. Ouais, travaillé comme artiste. Ah, on voit. Il paraît que vous avez aidé à résoudre un meurtre. Nécessité fait loi. On accusait un innocent de meurtre, un ami à moi. Êtes-vous en train de me demander d'élucider un meurtre? Allez, vas-y, let's go. Hein. Je suis prêt à partir. Non, non. Peu importe. Ah, je vais vous laisser à votre journée. Allez, ciao. Ciao, ciao.
Qu'est-ce qu'il est en train de faire par contre? Je comprends pas très très bien ce qu'il est en train de faire. En train de gratter les. En train de gratter les barriques. En train de se gratter la barre. Oh! Oh, le lance-quenet, il est stylé! Samuel! Bonjour, Andreas! Oh, c'est le mec qui m'accompagne! Oh, il est stylé as fuck! Oh, il est stylé! Auberge de la main dorée. Oh, mais c'est Otto! Oh, et c'est cette petite merde de Martin, let's go! Regardez! Il y a cette merde de Martin! Alors, tu vois, Caspar, ça c'est une grosse merde. Je vais aller lui casser la gueule. Frère Voislav ajoute du thym dans presque tous les plats servis à l'abbaye. Peut-être parce qu'il pousse abondamment ici. Il y a bien raison. Martin. Oui. Seigneur, donnez-moi la force de lui casser la gueule. Ah, mais vous avez vu? La statue de... Attendez une seconde. La statue ici. De Saint Maurice. Enfin, sans doute Saint Maurice. C'est qu'en fait, l'auberge, elle est toute neuve. Elle n'était pas avant. Allez-y! Vous savez que nous avons raison. Je comprends pas pourquoi c'est si difficile pour vous. Grosse merde, va. Otto, j'ai peur! Otto, j'ai peur! C'est dangereux de contrarier l'abbé. Vous préférez d'autres solutions? Inutile d'en arriver là, Otto. Je comprends. Je dis juste que... Andreas? Andreas Malheur! Ah, je suis heureux de vous voir, vieil ami. Otto, ça part ou quoi, là? Comment tu vas, mon œuf? Voici mon apprenti. Caspar Ziegler, de Salzbourg. Oh, belle cathédrale à Salzbourg. Salzbourg est une petite ville située sur la rivière Salzach et fondée sur des ruines romaines. Les rumeurs de violence et de rébellion dans la ville sont de plus en plus fréquentes. C'est la ville natale de Caspar. Ok, entendu. Bonjour. Ah, tout s'explique. Je le prenais pour votre fils. Non, je suis impuissant. Il pousse pas encore aussi vite, même à Nuremberg. Pas encore. Mais oui, il pousse pas aussi vite, là. Je suis fertile, mais quand même. Ah, il pousse bien assez vite par ici. Et moi, Eva et moi venons d'avoir notre premier enfant, Otto le jeune. Nous appelons Hutz. Il s'est mis avec Eva. C'est grâce à moi, d'ailleurs, hein. Mais bon, bref. Trop bien! Hutz, trop drôle, regardez comment il est blasé! Il est mims de fou! Il est mims de fou! Bah écoutez, je suis trop heureux. Hein. Félicitations. C'est merveilleux. Ah merci, c'est difficile depuis la mort de mon père. Mais Clara et Ursula m'aident quand elles le peuvent. Mais Bébou, mais oui, Bébou il est mims. Regardez la gueule de Pecno qui se tape, Martin. C'est terrible par contre. Vraiment, je suis trop heureux. J'espère que sa vie est misérable. Ah, je suis désolé pour ton père. Ah, c'est la vie. Il est avec le Seigneur désormais. Il ne souffre plus. Je sais qu'Eva vous a écrit pour vous avertir de la mort de mon père, Andreas. Pourquoi n'avez-vous pas répondu? Soupirer et fixer le sol. Tout est allé si vite après mon départ de Tassing. Ouais, oui, bon. Voilà, quoi. Ah, désolé de vous déranger, mais je dois y retourner. Oh, je vais faire genre de pas reconnaître Martin, c'est trop bien, mais c'est le best game ever. J'ai l'impression de vous connaître, mais j'arrive pas à remettre votre visage. Otto, présentez-moi votre ami. Je pense que c'est encore mieux parce que, genre, je te reconnais, c'est genre en mode... Tu sais, genre, je pense que je t'ai déjà vu, tu vois, genre. En mode, genre, il y a une petite trace encore de souvenir de Martin. Dans... Alors que là, c'est genre, je le reconnais pas, de 1, et de 2, je pense que, genre, Otto, il va être là en mode, mais non, c'est pas mon pote et tout, donc c'est doublement vexant pour Martin, donc c'est ça que je vais choisir. Parce qu'ici, on est pour optimiser la souffrance envers Martin, tout simplement. Mais c'est Martin! C'est Martin Bauer! Bah, vous vous souvenez pas? Ah, vous inquiétez pas, Otto. Ça remonte à cette année. J'étais plus jeune qu'à l'époque. Et puis, j'avais pas de barbe. Ah oui, t'as grandi.
Eh bien. Ça arrive souvent aux enfants, ouais. J'ai beau aimer passer des heures dans la prairie, j'ai encore du pain sur la planche. Et Otto, on se retrouve à l'assemblée tout à l'heure. Et à plus tard, Andreas. La dernière fois que j'ai vu Martin, c'était dans cette prairie. Je me demande ce qui s'est passé entre temps. Il a sans doute dû tuer la moitié du village et les remplacer par des clones malveillants. Sans doute, Ursula est le dernier rempart contre le technofascisme de Martin. Je pense que c'est la seule solution, une fois de plus. Il éternuait sans arrêt. Putain, il prenait que de la coke. Il était coqué jusqu'à l'os, en plus. Mais c'est une singerie. C'est quoi cette vie de débauche qu'il mène, Martin, la Burke? Maintenant, il adore cet endroit. Bizarre. Très étrange. Est-ce étrange ou est-ce que tes souvenirs te jouent des tours? Non, je viens de finir. Je me souviens de ce que j'ai vu. En es-tu sûr? En suis-je sûr? Au revoir. Ah, quelle plaie! De quelle assemblée parle-t-il? Se passe-t-il quelque chose en ville? Il y a de la chatte. Je suis stupide de voir à quel point Martin a changé. J'ai envie de savoir à quel point s'il a vraiment changé. C'est vrai. Il est comme le fils prodigue. Il a repris la ferme de son père après la mort de France. Alléluia. Au moins, il y a un Bauer en moins. Heureusement. Il y a un bien meilleur mari pour Brigitta. Et il se souvient aux besoins de Kat. Ça daronne. Ok. Oh, c'est mort. Et comment le petit Wolf y va là? Petit Wolf. Oh, bébou. Ah, le cœur de France a lâché. Trop de cocaïne. La légende locale dit qu'il criait sur Kat et qu'il est tombé raide mort. Bah écoutez, ça lui fera les pieds. L'arc Martin est exceptionnel. Oh là là. Mais par pitié, hein. Ah mais je suis désolé, hein, mais si... Moi, il a beau avoir un arc de rédemption, si j'ai le moyen, même après son arc de rédemption, de l'envoyer au cachot. Même après l'arc de la danse, j'ai le moyen d'en l'envoyer au cachot, par pitié. Je ne souhaite de mal à personne, mais rares sont ceux qui ont pleuré sa mort. Ça m'étonne pas. Rares sont ceux qui pleureront la mort de Martin. Oh non! Putain, non. Et Wolf est mort quelques mois après votre départ. Je crois que Martin s'en va encore. Putain, rien que pour ça. Ah, c'est peut-être ça, en vrai, qui a déclenché ses remords. Oh, putain, merde. Oh, c'est triste. Oh, c'est triste. Oh, le pauvre bébou. En même temps, c'est normal, vous allez me dire, vu la taux de mortalité infantile, mais... Oh, j'espère qu'il aura pas trop de rédemption, quand même, Martin, parce que j'ai quand même envie de... C'est le 16e siècle, hein, la mortalité infantile, c'est un peu normal. Oui, bien sûr, bah, de toute façon, t'as bien vu, enfin, tu vois bien la quantité de gosses qu'il y a partout. C'est juste que c'est triste, mais oui. Basique 16e siècle, shit, il est vrai. De quelle assemblée parle-t-il? Qu'est-ce qui se passe en ville? Ah, vous avez choisi votre moment pour nous rendre visite. Passez au commun tout à l'heure. Je pense que vous serez intéressé d'entendre ce que j'ai à dire. Oh! Eh bien, je me rendais chez Klaus en vérité. Ah, dites-lui de venir aussi! Ah, il traîne des pieds, le vieillard. Allez, à plus tard. Ancien visage. C'est tombé sur Otto Zimmermann et Martin Bauer en train de discuter dans la prairie. Martin est revenu de ses aventures en homme changé. Otto m'a dit de venir dans les communs plus tard. Je m'y rendrai après avoir parlé à Klaus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? De la potentille aux nombreux pétales. Elle pousse si facilement que certains la considèrent comme une mauvaise herbe. D'accord. On voit pas trop ce que c'est. Le moulin. Schlau! Ah bah, je suis désolé, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. D'ailleurs, elle doit se faire vieille maintenant. Allez, tu te souviens de moi? Oui, il se souvient de moi. Oh oui, il se souvient de moi. Mais oui. Gloire. Putain, c'est terrible, les chats ils ont plus d'espérance de vie que les gosses. Allez. Route, merci.
Alors excuse-moi, j'ai des choses à faire avec la meunière, si ça te dérange pas. Ah merde, la maison de Müller, elle est fermée. Ferme extérieure, ok. Les ruines romaines. Qu'est-ce qui se passe de... Oh, regardez. Il s'est amélioré. Paul s'est amélioré. Bravo à lui. Ah, je peux pas regarder... Oh là là, il nous a fait des petits bangers, là. C'est des zones filmées, là. Il est sorti de son film set. Moi, j'ai envie de faire un petit tour dans la forêt, là, en vrai. Ah ouais, je pense que... En plus, vu qu'il y a Pindwitch qui est parti, là, je vais faire juste... Je vais tourner un peu autour du village, voir à droite et à gauche. Et je couperai. Mais bon, je pense qu'on en a facile pour bien 20 minutes. Hein. Ce genre de petit détail est super dans le jeu. Oui, de fou. Sélection époustouflante de fleurs sauvages. Elles poussent tout en abondance dans la prairie. Vrai. Abbaye inférieure. On attendra un peu avant l'abbaye. Envie de visiter un peu le... Ah, quoique, je peux peut-être aller jeter un petit coup d'œil à l'abbaye. Hein. Ah, quoique, j'en descends, vous allez me dire ensuite. Et la veuve du baron, elle est toujours là. L'abbaye va me retrouver après 7 ans en train d'essayer de forcer sa porte. Abbaye supérieure. Ok. Sanctuaire, il est fermé. Jardin du couvent, il est fermé. Bon, mais j'imagine que tout est fermé en vérité. Correct. Oh, excusez-moi. Tac, tac, tac. Allez, un petit tour en forêt là. Promenons dans les bois. Qu'est-ce qu'il y a ici? Avec les nouvelles restrictions du père Gernot, les habitants ne peuvent même pas ramasser les bâtons sans payer. Eh ben... Putain, The Capital Origins, hein. Donc Sainte Satya, là, toujours. Bah écoutez, on a la même chose, hein. On a la même chose. Ça va pas bouger. Direction la cascade. Peut-être quelqu'un en train de pêcher, hein. On sait jamais. Moi, notamment. D'accord, ok. Toujours des canards. Ah ouais. C'est vrai que les petits détails. Là, regardez, par exemple, il y a un arbre, là, il était pas avant, là, il y a un peu scripté. Ah, et ça, c'est la tombe de la fille de Chansart. Deux innocents. Les deux innocents, mais oui, dont parlait le mot. Ah. Eh bien écoutez, j'espère que j'ai gardé mes notes d'il y a 7 ans, parce que clairement ça va me servir. Hein. Clairement c'est... Non mais c'est sûr, c'est le père Abbé, il pue la merde, là, c'est lui, il faut l'écarteler, là, faut le bousiller, faut lui nuire. Oh mais dites-moi, ça marche bien le business, là, le business des charbonniers. Oh là là. Frère Voislav, d'accord, ok, c'est bien. On connaît Frère Voislav. Tout va bien. Alors, la prairie, on en revient. Ah bah tiens, il y a le père machin là. Avec frère truc. 100% chanceur qui avait donné le coup fatal, mais c'est intuition parce que pas de preuve définitive. Pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas, il s'est engueulé avec. Il y a ce côté un peu taciturne. Et il n'a pas envie d'en parler. Pourquoi pas, mais... Ouais. Il y a quand même pas mal de trucs en sa faveur, quoi. En plus, il travaillait là-bas. Il aurait pu utiliser une pierre, en vrai. Grosse pierre, là, pour qu'il utilisait pour faire les fondations. Et bam! Mais ensuite, il y a quand même le truc des mots, en fait.
où genre il a quand même il y a le meurtrier a en partie je pense utilisé un mot, ou alors l'un des meurtriers a utilisé un mot pour attirer le, il a même pas essayé de, il a la force de le faire, c'est vrai. Mais il y a quand même les mots, c'est ça qui me perturbe un peu. Une fourmi dans la main. Et enfin, je veux dire, c'est pas le plus grand calligraphe, quoi. Ou alors peut-être que le jeu, il est en train de nous poule une crime de l'Orient Express, en fait, où c'est genre tout le village, en fait, qui en avait après lui et qui l'a zigouillé chacun de sa manière. C'est jamais. Comment ça va, les jeunes? Andreas, vous m'avez dit que vous étiez de retour à Tassing. Dieu vous bénisse. Ah, Dieu vous bénisse, Pierre Thomas. Quelle joie de vous revoir. N'allez pas tenter de me faire venir à la messe, rassurez-moi. Je pensais à la possibilité. En vrai, tu sais, il y a le côté un peu genre... un peu vase clos, un peu communauté de briques et de broc. Et pourquoi pas, hein. Parce que je commence par la sticoter un peu. Parce que de toute évidence, je vais devoir... Allez, tu sais quoi, genre on la sticote un peu. Allez, espérer qu'au cours des années qui vous ont tenu éloigné de Tassing, la messe serait devenue une habitude. De toute façon, Maître Malheur sera sûrement reparti avant dimanche. Espérons que cette visite soit moins troublée que la précédente. Tassing a bien assez de problèmes comme ça. Demain soir, nous allumons les feux de la Saint-Jean. Les gens se livrent alors à toutes sortes de méfaits, des espiègleries. Mais en vrai, j'ai trop envie de continuer l'enquête, va voir s'il y a des trucs en plus qui vont ressurgir, ou est-ce que ça va être encore une autre affaire. Ensuite, nos spoils, bien entendu, mais je veux trop savoir. Sans oublier la révolte qui gronde chez les paysans. Alors qu'on a seulement augmenté les impôts de 45% l'année dernière. Ah, ils ne font que râler, mon frère. Nos poils. Inutile d'effrayer notre invité avec ça. De toute façon, moi je suis la parole du peuple. Hein. Fit-il avec une capeline Louis Vuitton. Avec ma cape Gucci. Que j'ai acheté même pas au Puce de Saint-Ouen. Même pas chez Morsay. Je suis sûr que s'il y a des problèmes, Maître Malheur sera le premier à fourrer son nez dedans. Correct. Ah, pourquoi vous êtes toujours aussi simple? Eh, tu sais quoi, je dis rien. Vous pouvez aller et venir comme bon vous semble, sans vous soucier des conséquences. Quand Farinck a été exécuté, le père abbé a fait de Mathieu le nouveau prieur. Eh ben voilà! Eh, je l'ai fait ses pères, Mathieu! Je l'ai fait ses pères! C'est grâce à moi, ça. Farinck avait ses défauts. Mais Mathieu est encore pire! Merci bien. Et merde. Bah écoutez, je vais le faire chanter, hein. Puisque apparemment son mec arrive pas à le faire chanter alors que c'est le chanteur de l'abbaye, bah écoute, hein. Tout le monde s'en serait tiré à meilleur compte si vous aviez laissé mourir le frère Piero. Après tout, il ne restait guère que quelques années à vivre, c'est pas entièrement faux. L'argument est valide. Cependant, non. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Vous êtes un bouffon et un lâche qui se cache derrière son habit. Vulgarien. Non, je vais toujours sortir ma religieuse voix pour le actually. Heureux sont que la faim et la soif. Et merde. J'avais oublié. Oh, épargnez-moi vos citations des Saintes Écritures. Je n'ai seulement à vous signifier les torts que vous aviez causés. Ah, mes amis, allons. Tout ça n'est pas nécessaire. Pardonnez-moi, Père Thomas. J'ai laissé la passion m'emporter. Ce n'était même pas la raison de ma venue ici. Allez, oust. Je venais vous trouver à la demande de l'abbé, Andreas. Le Père Gernot aimerait vous convier à la bibliothèque demain matin afin de vous suriner entre les deux côtes. Il vous propose d'acheter certains de nos livres. La même a chassé et à présent il me demande de revenir.
Je ne suis pas dans la tête du père abbé. Je ne lui ferai que lui obéir. La bibliothèque n'est pas encore prête, car elle ne sert que peu. Ah bah forcément, il savait pas lire, bande de bâtards. Si vous venez demain matin, Mère Illuminata vous montrera ce qui est à prendre. Mère Illuminata, putain, elle a ses pères aussi. Oh, elle a ses pères. Mère Illuminata? Eh ben dites-moi, ça se fait pas chier. Oui, Mère Cecilia nous a quittés il y a quelques années. Comment? Mais c'est une tragédie sans nom. Je suis si triste, hein. Ah, elle connaît mieux que personne. Ouais, je viens. Moi, je viens, je veux voir Illuminata, je suis désolé. Je suis sûr qu'il en sera ravi. Et Andreas? Veuillez m'excuser de vous avoir parlé comme je l'ai fait. Je me suis emporté. Ah! Frère Pierrot était un homme pieux et un artiste talentueux. Nous le regrettons. Ah ben... Putain, mais il est chiant, Guy, parce que je peux pas le détester à 100%. Il s'excuse un peu quand même. Allez. Allez, bisous à toi. Là. Ah, parfait. Je me réjouis de vous voir réconcilié. Ah, Père Thomas. Auriez-vous un instant à m'accorder à l'intérieur de l'église? Oh oui, certainement. Pourquoi? Une affaire. Un privé. Ah tiens. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. À demain. Et Dieu vous bénisse, Andreas. Tiens, tiens, tiens. Ah ben l'invitation de l'abbé, ça fait plaisir. Hein. C'est sûr qu'il cherche à nous nuire, l'abbé, par contre. C'est pas possible autrement. Martine Bauer est la veuve Kemperin. La veuve Kemperin qui est inoxydable, j'ai l'impression. Elle est faite en titane. Mais dites-moi, mais c'est entretenu comme de la merde, ce pré, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des mauvaises herbes partout. Alors, la vioque. C'est bon, je suis prêt à t'aider, enfin. Ah oui, sa maison, elle est un peu abandonnée, quand même. Ah, peut-être... Oh, il y a même mes petites empreintes dans la boue. Ça, c'est le genre de détail qui fait plaisir. Ok, bon, ben... J'ai peut-être parlé trop vite. Peut-être qu'elle est finito. Allez, ferme de Johann Bauer. Ferme de Johann Bauer. Terrain communaux de la ville. Ferme des Gartner. Alors, d'abord, je vais voir passer mon pote l'imprimeur. Parce que je me dis qu'il va avoir des trucs à me raconter. L'église est chez les Drucker. Et ensuite, je vais aller voir les Gartner si je peux. Alors, les Drucker. Bah, y'a personne. Oh, regardez le petit portrait. Il est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Beaucoup trop stylé. Ah ben, les voilà. Ah ben, ils en ont même un autre. Ah ben, dis donc. Klaus, comment on va? Andreas? Klaus, ne me dites pas que vous êtes réellement fâché. Pardonne-moi, Klaus, ça fait bien trop longtemps. Ah! Je pense que je suis pas prêt. Oh, je pense que je suis pas prêt, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai bien peur. Déjà avec Otto qui me dit que je n'ai pas répondu à son courrier pour sa mère, ça m'a donné un petit avant-goût. Là, je... Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Cette année n'est pas la moindre nouvelle de mon ami Andreas. D'abord Berthe, puis Marie, juste après la naissance de Magdal. Oh putain. Mais non, mais putain. Ah,
mais c'est giga triste. Putain. Oh non, mais le... Putain, le pauvre. Et son fils, il est mort, il était trop mime. Voix du narrateur. N'était pas prêt. Merci pour la didascalie, patate en mousse. Oh non. Oh, c'est trop... Ma femme avait pour vous la plus haute estime. Vous n'avez même pas daigné me répondre quand je vous ai annoncé qu'ils étaient morts. C'est horrible. Ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. C'est terrible. C'est horrible. Vous ne trouvez toujours rien à dire? Je suis pas surpris. Il est trop tard maintenant. Boupi Bobo. Et les gigamimes sont plus sa fille. Oh non. Ah. Bonjour. Ah, elle vous aime bien. Oh. Votre activité s'est développée. Qu'imprimez-vous? Les 12 articles. Le texte a été écrit par des paysans swabs qui demandaient des changements à leur seigneur. Ah. Alors, simple question. Peut-être patate en mousse, toi, t'auras plus de sources sur les 12 articles. J'ai l'impression que c'est un vrai truc. Mais est-ce que ça te dit quelque chose? Le texte a été écrit par les paysans swabs qui demandaient des changements à leur seigneur. Ah, ok, d'accord. Oh là là. Oh non, la gravure, elle est stylée. C'est dans le contexte des guerres de paysans. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Handlung, Artikel und Instruktion so für genorden wollen, verwunden, bon, der Roten. Bon, bref. De l'allemand. Globalement, de l'allemand. Et nous sommes en 1525. L'abolition du servage, la liberté de chasser et d'utiliser le bois comme Dieu l'entend. L'abolition des corvées. Grosse période de révolte de paysans, début 16e siècle. Ça se mélange à la réforme. Ouais, ouais, j'imagine que ça doit venir s'entre-nourrir. Bon, ensuite, le Saint-Empire romain germanique ne pas être en guerre intestine challenge un peu. Hein. L'abolition de la taxe de succession, une juste évaluation des loyers, le libre accès à la propriété et son usage commun. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Bunschlu, en Alsace. Ah, Bunschlu, ça me dit quelque chose. Bunschlu. 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 Est-ce que c'est en russe que ça me dit quelque chose? Peu importe. La Bavière n'est pas la Souabe. Souabe. Pardon. Ancien duché du Saint-Empire romain germanique, il a été réformé sous le nom de Cercle Souabe en 1512. Il est bordé par la Bavière à l'ouest, la Confédération Suisse au sud et l'Autriche au sud-est. Ils sont littéralement communistes, what the fuck? Karl Marx confirmé? Leur plainte s'applique tout autant aux paysans de Tassin. C'est certainement de cela qu'Otto veut parler ce soir. Il voulait que vous m'accompagniez. Ouais, ouais, ouais. Mais ça me dit grave quelque chose. Je pense que j'en ai entendu parler quelque part, là. J'ai entendu parler quelque part. Ouais, il m'a demandé. Et il se pourrait que je vienne. Ça fait des années que l'abbé saigne les paysans à blanc. C'est mis à saigner les gens de la ville aussi. Et nous résistons. Ah ouais, c'est littéralement les bourgeois qui résistent, là. Leur cause est juste, Andreas. Si vous n'avez pas vu les Gartner récemment, allez leur rendre visite. Je vais les voir de fou. Mais, et Otto vous a demandé les imprimer, du coup? Oui, pourquoi? Eh bien, je ne savais pas qu'il savait lire. Il ne sait pas lire. Mais presque tout le monde en ville peut. Il parle, j'écris. J'essaie juste de faire ma part, je suppose. Ah ouais. Alors là, on a une intrigue sociopolitique, là. Fait plaisir. Désolé. Mais je ne suis toujours pas d'humeur pour ces retrouvailles tardives. Revenez demain à l'heure du dîner. Vous devriez dire au commun
Allez au commun écouter ce qu'Otto a à dire, ça en vaut la peine. Je comprends, à plus tard, on Klaus. Bien sûr, hein, sois sage, Madeleine. Tu vas être sage? Abudida gougou! Gougou gaga! Oh putain, c'est horrible par contre. Hein. Hop, juste une petite seconde, faut que je fasse un truc. Tac. Oh, dans une. Ça marche pas? Ah oui, non, ça marche pas. Ok. Attendez, faut juste que je fasse un truc. Putain, les cloches qui sonnent en plus, là, oui, j'arrive. J'arrive, pardon, désolé, c'est bon, ça va! En train d'essayer de brancher mon PC là pour le mettre à charger. On perd la... Ah là c'est bon. Allez, c'est parti. Et top là. On est retour sur le plateau. Mais oui, go voir les Gartner, comme on dit. Terrain communal de la ville. Oh merde! Tant de gens. Non! Non, je voulais pas passer par là. Putain, Otto, il est à fond, là. Alors, qui c'est qu'on a? Ah, ben, ils sont là, les Gartner. Ils sont là, les Gartner. Alors, attendez, qui c'est qu'on a? Qui c'est qu'on a? Ben, on a ce sac à merde de Martin. On a ce mec dont j'ai oublié le nom. Il me semble qu'on l'a déjà vu. Il y a Chansard et sa femme. Il y a Jorg, qui est toujours Jorgan. Il y a tous les Peter, les Gartner et tout ça. Oh, il y a Ursula qui a grandi. Elle est mince de fou. Il y a... Je sais pas. Je pense que c'est Paul, ça. Ah non, c'est lui, Paul. Je pense que c'est lui, Paul. Parce que c'est le fils du meunier. Lui, je me souviens plus exactement qui c'est. Je sais pas qui c'est. La vérité, je ne sais pas. Lui, je sais pas qui c'est. Eux, c'est les boulangers. Eux, c'est les autres Bauer, pas les connards. Ah bah la vieille est toujours là. La vieille est toujours là, c'est une singerie. Et puis il y a le vieux forgeron. Et je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Bah ça doit être un mec qui a grandi, mais bon ensuite j'ai un peu de mal à... Lui aussi d'ailleurs, c'est un gosse qui a grandi. Elle est où sa copine elle? Perdu son amante. Bon bref, peu importe. Il est là? Non, je suis pas sûr. Peu importe. Écoutez-moi tous! Nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Rien de ce que je vous dirai ne vous surprendra. On en a gros! Rien de ce que je vous dirai n'a pas déjà été dit dans vos foyers ou murmuré à vos voisins. Rien de ce que je dirais n'est faux. Il est donc temps de le clamer haut et fort. Emmanuel Macron. Année après année, l'abbaye a trouvé de nouvelles façons de taxer les paysans. Fondation de la CGT qu'en 125 colorisé. Oui, absolument. C'était pas à Limoges, hein. C'était là. Tassing. Jour après jour, l'abbaye nous défait de nos droits à utiliser la forêt de Dieu pour nourrir nos familles. Nous ployons sous le poids des lois, de la restriction sur la chacun, de parler de fermage. Attends, je vais simuler la voix de haut-parleur de CGT. Des limites dans nos déplacements, dans nos mariages. Alors il y en a marre. Et maintenant, les droits de succession qui n'ont concerné autrefois que nos meilleures bêtes et nos vêtements les plus fins, nous dépouillent de la moitié de nos biens. Alors ça suffit! Peu importe les veuves, peu importe les enfants! Et qu'en est-il du conseil municipal? Le Rat House. Merci. Je suis heureux que ça marche. Le Rat House. La salle communautaire où les gens se réunissent, les rats notamment. Ambiance CGT là. Attends, est-ce que j'ai mis de la musique de manif, là? Voilà, musique manif CGT. Allez, hop là, on est parti, là. Voilà.
Qu'en est-il du conseil municipal du Rat House? C'est sûrement un signe. L'abbé veut partager son pouvoir pour écouter les doléances. Attends, j'ai baissé un tout petit peu encore. Pas tant. Voilà. L'abbé veut partager son pouvoir pour écouter nos doléances. C'est faux! C'est du réformisme! Il n'en pense pas un seul... C'est un bourgeois et un porc! Vous avez bon cœur, Ulrich! Vous voulez toujours voir le meilleur chez les gens! Mais ça mènera à votre perte! Veuillez lire ce traité sur le matérialisme dialectique que j'ai rédigé ce soir! Le concile est un moyen pour l'abbé de nous diviser, d'opposer les privilégiés au plus grand nombre, la force du peuple, les amis! Ce n'est pas de la charité, non! Seule la cupidité et le désespoir animent le père Gernot! Ulrich, t'as le tête de sauce d'air! Ulrich, c'est toi qui as balancé Rosa Luxembourg! C'est toi qui as trahi! Social traître! Seule la cupidité et le désespoir animent le père Gernot! C'est à croire que s'il pouvait, l'abbé irait voler les âmes des morts au paradis! Quand nous avons protesté, qu'a fait le père Gernot? Il a fermé le sanctuaire de Saint-Maurice, le salaud! Il a interdit aux habitants de la ville, aux paysans de cette terre, de prier devant la relique! Il nous prend notre relique, qui est le bien du peuple! Si j'avais lu mon pamphlet anarcho-queer, tu serais que dans le pot! Ce soir, les amis, on est là pour quelque chose de très important pour le peuple! On est là pour valider en comité restreint! Et auto-déterminé le conseil du père Gernot. Alors maintenant, on va tous applaudir sans faire de bruit. Alors que plus jamais nous avons besoin de l'aide de notre saint, l'abbé nous rejette. Merci Patatan Mousse, merci. Merci camarade. Les actes du père Gernot, ils ne sont pas justes, ils ne sont pas chrétiens. Nous supportons cela depuis trop longtemps. Il est temps de faire savoir à l'abbé que nous n'accepterons plus cela. Ce n'est plus possible. Avec les messages comme quoi les grands esprits se rendent compte. Il a raison. Mais oui, Emmanuel Macron, on va te chercher chez toi. Arrêtez, c'est de la folie. Non, c'est cela, Sparte. Les soldats ont déjà pris pied dans les villes voisines. Si vous vous en prenez à l'abbaye, vous attiserez la colère du duc. Il pourrait aller jusqu'à raser la ville et tuer tous ses habitants. Oh, Lennart. Ah, la briseuse de grève. Ouais, les scabs. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Anna, elle a raison. Le duc est puissant, Bavière. Vous jouez à un jeu dangereux, Otto. Regardez-le, là, le Lennart, le poison du capital, l'agent du capital, il fait de l'agit-prop, là. C'est terrible. Et vous ne faites pas le poids contre des soldats entraînés. Et vous n'y réfléchissez pas à deux fois. Vous serez massacrés comme les fermiers souabes. C'est vous que nous pourrions massacrer, Lennart. Ah, j'en sais pas trop, j'ai un fils à m'occuper. Je te demande ce qui est juste. Il a pas tort, il y a déjà des soldats de région. C'est le bordel. Camarade! C'est un officiel de l'Uni, oui, Lennart. C'est l'énarque, faut le savoir, c'est écrit dans mon livre. Hein. C'est écrit dans mon livre. Hop là, j'espère que j'ai pas coupé le truc sans faire exprès. Non, c'est bon, ça marche. Ça marche toujours. Inch'Allah. Alors mes camarades, ne soyez pas timides et parlez si vous le voulez, en levant la main. Et personne ne nous massacrera. Les paysans de Salzbourg ont réussi à prendre la ville et à se faire entendre. Si le peuple arrive à se faire entendre de l'archevêque de Salzbourg, nous pourrions en faire autant avec l'abbé. Oh là là. Oh, le traître en puissance, Martin. Le traître en puissance. Maître Andreas, pensez-vous que ma famille à Salzbourg va bien? Je sais pas, Caspar, on se renseignera. Ta gueule, Caspar, t'as pas le bâton de parole, là. C'est pas respectueux, c'est pas possible. Putain, la prochaine réu, tu viens pas. C'est pas... Si c'est pour se comporter comme ça, là, Caspar, t'es... Franchement, non, c'est pas possible. D'accord.
Ça suffit! Nous ne pourrons pas rester sans rien faire alors que la baie nous traite si mal! Merci pour le micro. Partout en Souabe, les gens reprennent les droits que Dieu leur a donnés! Alors pourquoi nous n'en ferions pas autant? Une cause juste! Il a raison! Ça me fait chier, mais il a raison! Hashtag on vaut mieux que ça! Bien dit, Martin! Tout le monde devrait réagir à ses paroles! Ces dernières années, Martin a montré qu'il était digne de confiance et même digne de souffrance. Ce que Martin. Ce que... Martin, Martin Bauer après un, entre parenthèses, un pamphlet anarcho-queer. Voilà, là il s'est déconstruit, là. Vous voyez bien. Martin a montré qu'il était digne de confiance après sa déconstruction. Il est devenu full non problématique. Mais si les paroles des hommes ne vous persuadent pas, peut-être le signe du puissant supérieur y parviendra. L'abbé nous a peut-être interdit l'accès au sanctuaire. Mais Dieu m'a montré qu'il était avec... Oula, 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 oula. Oula, comment ça, mon ref? Alors là, c'est hérésie matérielle, par contre. L'ambiance, elle est retombée, hein. Alors. C'est tout ce que je vous dirai pour l'instant. Merci à tous d'être venus. Martin Bauer a si déconstruit qu'il a fait son œuvre en Unbauer. C'est vrai. Oui, il faut comprendre l'allemand. Blague de gros cerveau, ça. Ah, bien le bonjour, Andreas. Clara, ça fait si longtemps. Je suis heureux de vous revoir. Bonjour, Andreas. Il est trop drôle, son gars. Je suis surprise de vous voir ici après une si longue absence. En fait, nous pensions ne jamais vous revoir. Bonjour, Eva. Jamais les années n'ont pas eu de prise sur vous. Mourosa qui est de retour dans le chat, là. Yes. Que vous dire? L'air des Alpes me manquait, les gens aussi. Je me retournais à Nuremberg, je me suis demandé ce que vous deveniez. Je suis parti trop longtemps, pardonnez-moi de ne pas avoir prévenu de mon arrivée. Ouais, désolé. Désolé, pardon. Vous avez certainement choisi un drôle de moment pour visiter. Enfin, pour rendre visite. C'est un bien étrange Saigon, saison, que nous vivons là. Somnolée, grosse journée. Oh bah, force à toi, hein. Force à toi. On vient... Bah attends, j'ai pas encore coupé la musique de manif, là. Voilà, excuse-moi. On était en pleine AG. Là, ça vient de se finir. Ah, vous avez trouvé les Gärtner. Votre discours était très convaincant, Otto. Vous êtes plus éloquent à chaque fois. J'espère que le duc n'en aura pas vent, Otto. La ville pourrait pâtir de tout cela. Nous n'en sommes plus là, malheur. Si vous étiez dans notre position, vous comprendriez. Oui, je suis désolé, mais je me fais beaucoup trop de bif, en fait, pour comprendre. Ah, vous avez raison, hein. Juste, je m'inquiète. Ah, je vous remercie. Mais nous connaissons les risques. Otto, vous avez vraiment vu un signe de Dieu, c'est vrai? Vous avez critiqué l'église agissant comme des seigneurs. Oh. J'ai entendu des cris de Trotskar qui m'ont sorti du sommeil, je suis cru tombant en terre. Je t'ai vraiment sorti de ta torpeur. Sorti comme Dracula de son cercueil. Ah. Ah oui. Ah, c'est vrai, Andreas. Je vous le jure. Venez me parler plus tard, je vous dirai ce que je peux, d'accord? Toujours est-il que votre apprenti et vous devriez venir souper à la maison, Andreas. Clippez ça! Clippez ça, par pitié! Clippez ça! Et en plus, avec succès, genre, de fou. Je me souviens même pas d'où ça sort. Genre... Quoi? Comment? Je vois pas comment j'ai... Je me souviens... C'était contre le... Quand je parlais à l'archidiacre, j'avais dit un truc de ce genre. Mais... Wow. T'es d'accord, mon petit casse? Oui, maître Andreas, je meurs de faim.
Notre ablat est moins fourni qu'à l'accoutumée, mais vous mangerez à votre faim. Allez, on se retrouve. C'est ciao. Et... hop là. Allez chez les Gartner pour souper. Eh bien écoutez, je pense que c'est l'heure pour nous aussi de souper. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez simple de voir ce que je veux dire, c'est littéralement ça. C'est extrêmement simple en réalité. On est reparti. Hop là. Bon ben écoutez, quelle partie, hein, quelle session une fois de plus. Merci, merci beaucoup, hein. Effectivement, comme tu disais, patate en mousse, beaucoup de drama. Beaucoup de drama, je n'assume absolument pas mes... j'ai du mal à assumer mes choix. Mais on est là. Putain, il se passait beaucoup de choses. J'ai l'impression que ouais, il va se passer beaucoup de choses. Mais j'ai hâte de voir à quel point ça va être en lien avec ce qui s'est passé lors du premier chapitre aussi. Les actions du deuxième, j'imagine un tout petit peu. Dieu m'en soit témoin, que le prophète paix et prospérité sur son âme me permette de mettre Martin au cachot, si possible. Mais voilà. Inch'Allah, on verra pour la suite. Absolument. Bah écoutez, quoi qu'il en soit, excellente soirée à tout le monde. Reposez-vous bien, mangez bien. Et allez, à mercredi.